Step, I'm Et bien bonsoir à tous et bienvenue euh, dans cette nouvelle émission d'Hashtag Twitch, la 99e. Là j'ai bien dit pour Darcel, mais je vais quand même dire la 99e aussi, je sais que ça lui fait plaisir. Et, euh... Et donc voilà ce soir, alors je tiens juste à préciser, petit changement de programme pour ceux qui n'ont pas vu. Donc euh, malheureusement, on n'a pas d'invité, mais ce sont des choses qui arrivent, il peut y avoir des imprévus dans la vie et c'est ce qui est arrivé à notre invité. Euh, notre invité viendra une prochaine semaine, une prochaine fois. On ne peut que respecter hein, le fait qu'il soit pas là et tout ça, donc il n'y a aucun souci vraiment. Donc là, on, on, on va dire qu'on change un peu le programme, entre guillemets, mais ça n'empêche qu'on est quand même présent, on va faire l'émission et je suis avec toute l'équipe au complet. Je vais commencer, oh là là, il y a trop de monde, je ne sais même pas par qui commencer. Je vais commencer par Darcel juste pour le 99, voir comment est-ce qu'il l'a vécu. Salut Darcel. Je, je le dirai toujours pas le 99. Mais, <laughs> mais maintenant, c'est moins choquant. Je commence à m'y habituer. Mais au Canada, ils disent 99 aussi, hein, non, non Non, 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 je ne serais jamais allé là-bas sinon. Ah oui, ok, mince, bah, pardon. Okay, <laughs> vrai. La, la prochaine fois, ça sera la 170e. Donc ça va, il y a le temps, hein, normalement. Oh. Non, mais il y a le temps, il y a le temps. <laughs> euh, Est-ce que tu vas bien Darcel Fatigué, très fatigué. Oui, Fatigué. Aïe, 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 mais ça va, ça va aller, hein. petite émission, tranquille, on, on va prendre le temps qu'il faut en tout cas, on verra avec vous aussi dans le chat et tout, donc, euh... donc ça va, il y a Zed qui est là aussi, salut Zed Hello, hello Est-ce que tu es en pleine forme Mieux que la semaine dernière, mais tout va bien, oui. C'est vrai que t'avais la grippe hein, la semaine dernière, c'était ça, hein. enfin t'étais malade quoi, t'étais Ouais, j'ai ouais, traîné, euh, traîné un truc euh, une bonne partie de la semaine encore, mais là ça va mieux. Ok, cool, et, euh, et Alpa est présent avec nous aussi ce soir, salut Alpa ah, Alpa, en tout cas, Alpa est présent avec nous. Hein. Il nous écoute, il n'a juste pas appuyé sur le bouton mute, mais... <laughs> C'est ça, ouais, je suis présent, mais je suis un, je suis un peu atobie, donc euh, voilà, j'appuie je, je pas sur le bouton mute. Et je suis avec une petite bière avec moi, et voilà, je vous écoute. Hein. Ah, et quelle bière je, je avec vous. Ça, ça intéresse les gens, quelle euh, bière Là, je suis sur une en André, hein, un truc simple. Ok, ouais. ok, pas mal, pas mal. Et, euh, mmh. et, euh, et le chat aussi, ah. euh... oui à la fin de l'émission, bien sûr, je dirais que je suis beau, ouais, mais ça, c'est la réplique habituelle. Euh, <laughs> c'est vrai. Pourquoi ouais. ouais, euh... t'attends la fin pour le dire On le sait que c'est maintenant. <laughs> je vois Théo Ultimate qui <laughs> <tu rire> dit salut. Katox, Mev, euh, Vala, chef indois, petit bac, Casselec, encore une extinction de voix. Non, non, c'est pas ça, pas du tout. Mais euh, non, non, on, franchement, voilà. Donc euh, notre invité, ça, ça arrive. Mais voilà, on fera ça une autre fois, en tout cas. Mais donc ce soir, il y a quand même des super matchs internationaux qu'on va suivre. D'ailleurs, est-ce qu'on fait ferait pas la prédiction parce que je pense qu'il y a quand même Italie-Belgique, c'est quand même pas mal. Il y a France-Danemark, ah. Italie-Belgique. Mais. Euh... Vous en pensez quoi En fait, je vais demander à l'équipe, en fait, aussi Alpa Darcel, Z. Euh... Moi, j'étais partant peut-être pour une prédiction Italie-Belgique, parce que je trouve que c'est quand même deux belles nations. France-Danemark, on sait qu'il y a la France, c'est oui. magnifique, mais il y a le Danemark on connaît peut-être un peu moins. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, bonne idée. Mais non, Moi, tu, tu vas me demander de choisir entre la peste et le choléra avec l'Italie et la Belgique. Donc, euh, <laughs> ah, mais je vais mettre match <laughs> nul. N'oublie pas de mettre match nul dans les, dans les choix possibles, c'est tout. Mais <laughs> nul, nul, pas par égalité, nul par euh, le match est nul. Oui, c'est ça. Ça, <laughs> nul. nul. <rire> et Italie-Belgique en U21. Italie-Belgique, ouais, donc, parce que chez les U21, c'est quand même le T5. Là, on arrive vraiment à la porte des médailles. Quoi. Vraiment, dans, dans oui. trois matchs, euh, on pourra savoir. Euh... On pourra savoir alors, entre guillemets. C'est le, le premier match du T5 où il n'y a plus que des grosses équipes ouais. qui sont performantes au top de leur forme, etc. Donc euh, c'est ultra indécis. Il y a, il y a très peu d'écart entre les équipes. Donc euh, bon courage pour la prédiction. Lancez votre plus beau pile ou face et, <laughs> et bonne chance. Clairement. Et, euh... et alors j'ai une petite devinette pour vous. C'est quoi le point commun entre la Belgique et la France chez les A ah. Et ils ont perdu. Ouais, ils, ont, ils, ont tout, ils ont perdu leurs deux premiers matchs, les deux nations. Donc on va suivre les A aussi avec la Belgique et la France qui doivent gagner quoi ce soir. Enfin, c'est quand même toujours mieux parce que là, zéro points en deux matchs, il y a encore un peu de temps, on va dire, mais euh, il faut commencer à engranger des points. Euh, ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Arsen, c'est vrai que c'est un peu... Euh, voilà. On ne s'inquiète pas, mais il faut maintenant commencer quoi, à marquer. En fait, le, le constat est mitigé parce qu'il y a eu un vol au, mmh. au match 2, si je dis pas de bêtises. Mais au match 1, c'est un petit peu plus une mauvaise appréciation du match qui a donné ce résultat. Pour la France, hein, c'est ça, ouais. euh, voilà, ça. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a encore beaucoup de temps parce que le T1 il est très long. Euh, il reste encore euh, 8 matchs, donc ils ont largement le temps de se rattraper. Et en plus, il y a quatre équipes qui sont qualifiées sur ce T1. Mais effectivement, là, ça va commencer à être un match important euh, à gagner. Ouais, exactement, exactement. Et pour les deux, hein, pour la Belgique et pour la France, il faut commencer à gagner. Parce que si on a ouais. confiance aussi, euh, même pour les staffs et tout, ça fait un peu... Il euh, ne faut pas qu'il y ait la panique, quoi, on va dire, euh, dans ce cas-là. Et euh, il y aura aussi la tribune des supporters. On a reçu quelques messages. Une chronique de Z. Z, sera sur quoi ta chronique ce soir en deux mots euh, ça sera, euh... Des appels insolites aux forces de l'ordre ou aux services de secours. Voilà. Ok, ok. Et euh, il y aura. J'ai mis l'interview de l'invité. Bon, il n'y aura pas l'interview de l'invité. Il y aura un quiz en fin d'émission et on fera une toute petite chronique vite fait euh, avec vous dans le chat. Donc préparez déjà, mais ce sera un peu plus tard dans les peut-être une demi-heure. Euh, vu que c'est la pré-centième, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est quand même la centième. Alors, on vous prépare des choses, il n'y a encore rien de fait, il n'y a rien de concret. Si ça se met en place, ça sera génial. Si ça ne se met pas en place, on trouvera d'autres choses, ne vous en faites pas. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ça sera la centième. Et donc, pour la pré-centième, on vous demandera un peu euh, de nous dire un peu le moment marquant des 100 dernières émissions. Alors, pour les habitués du chat ou pas, même pour les nouveaux ou les gens qui sont arrivés par après, si vous avez peut-être des moments qui vous ont marqués. Et nous, avec l'équipe, on essaiera aussi de se rappeler de certains moments qui nous ont marqués aussi, peut-être. Parce que c'était marrant, parce que c'était triste, parce que c'était positif, parce que, enfin, on verra. Mais on va essayer de se rappeler un peu ça. Donc voilà, on improvise un changement, on va dire, de programme pour ce soir. Mais on va essayer de parler un peu voilà de la presse centième. Et puis pour la centième, ben, on verra ce qu'on fera. Mais euh, on va trouver des choses à faire pour la semaine prochaine. Mais En tout cas, 100 émissions, c'est pas rien quand même. Franchement, euh, c'est. Euh... Je me rappelle au tout début, je sais pas si vous vous rappelez de ça, peut-être d'Arcel, je sais pas si, si tu te rappelles, mais la, après la première émission, je sais plus c'était qui, mais il y avait deux trois personnes qui avaient dit que c'était pas mal ce qu'on avait fait. Mais ils avaient dit ouais maintenant il faut enfin le seul problème c'est qu'il faut que ça dure. Je pense que là on a prouvé aux gens qu'on est capable de durer je pense quand même. C'est ça. Sans émission ça va tu vois. Je pense que là normalement on est bien. On fait des émissions juste pour prouver qu'on a raison. Oui ça de toute façon on arrête après la centième de toute façon voilà. On dira voilà on a prouvé c'est bon. Non mais c'est cool c'est cool en tout cas. Et donc voilà, je pense qu'on peut. Euh, donc il y a la prédiction, n'hésitez pas à voter. Je vois que c'est assez serré sur la prédiction. Il euh, y a plus de points sur l'Italie quand même, mais euh, ça a voté pour un peu tout le monde. Je vois les 1500 points de Darcel aussi, je vois, sur match nul. Oui, <laughs> match nul, c'est ça, sûr. Et donc voilà, bah en tout cas, beau programme Merci quand sûr. même pour ce soir. Bon, changement de programme bien évidemment, mais euh, bah ça va être chouette. En tout cas, on va quand même suivre tout ça. Moi, si ça vous va, on pourrait peut-être passer sur les matchs internationaux en attendant de voir justement les matchs. Et comme ça, on va pouvoir justement jeter un coup d'œil euh, sur les différents classements. Enfin, les différents classements, bon, on les connaît vu que la Belgique et la France ont zéro point chez les A. Mais chez les U21, on peut regarder euh, un peu les groupes. Peut-être qu'on peut jeter un petit coup d'œil. Donc la Belgique, groupe très compliqué, hein, Lettonie, Italie, Canada. Bah, il n'y a que des groupes compliqués, il n'y a que deux groupes, hein. c'est les huit meilleures nations. Mais j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, Darcel, la France aurait un groupe, tu vois, juste pour les noms en tout cas, je parle pas des équipes, mais pour les noms, un groupe peut-être plus abordable, tu vois, Écosse, Danemark, USA, je sais pas, c'est dur à dire. Oui, hein, mais euh... Clairement. Euh, en fait, déjà, le, le, le gros morceau à éviter, comme d'habitude, c'était l'Italie. Donc, euh, oui. je pense que le staff a pas mal soufflé euh, <rire> de ne <laughs> pas avoir l'Italie dans le groupe, c'est déjà une bonne chose. Et en plus, bah, pour avoir croisé deux des trois adversaires de la France, qui sont le Danemark et l'Écosse avec Haïti, c'est quand même des équipes qui sont passées très très juste à de nombreuses fois sur certains tours. Il y a même le Danemark euh, qui nous avait envoyé un HTML un jour pour nous, nous remercier d'avoir gagné contre son adversaire au classement parce qu'on l'avait qualifié. Donc euh, c'était peut-être un petit peu plus abordable effectivement ce tour là, ce, ce groupe là. En respectant... Mais ça ouais. reste quand même voilà. des très... Voilà, ça reste quand même du, du Bien très très lourd et il y a quand même du gros gros boulot pour passer. Clairement, clairement. Mais euh, c'est vrai que l'Italie c'est un peu l'épouvantail quoi. Et c'est vrai que dans ce cas là, euh, c'est tombé du côté de la Belgique. Mais bon, ça permettra à la Belgique de faire deuxième. La... Ah non, attends. Quand... En fait, il faut que la France et la Belgique se retrouvent en finale de toute façon. C'était ça le plan. Donc euh, voilà, tout est possible encore. La, la France fait première et... Non, attends, en fait, il faut que la France fasse première et la Belgique première aussi, en fait. Ouais, non, bon, bref, on verra. <laughs> Ou deuxième, deuxième. Oui, ça va. Ok, donc et, ça, c'est pour. Mais, mais, mais on veut bien une un petite demi-finale France-Belgique comme en, en 2018. Ça, ça, ça fera des bons souvenirs. En de... oui, 2018. Je m'en rappelle pas. <laughs> ah, tu m'en rappelles pas. <laughs> non, non, je m'en rappelle. Non, si, si, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais ça pourrait Franchement, un Belgique-France, ça serait incroyable. Tu vois. En plus, on connaît le staff en France et on connaît le staff en Belgique. Imagine, on aurait un Belgique-France. On essaierait d'organiser quelque chose. Ça pourrait être marrant. En tout cas, il y aurait moins de faire des choses sympas. Ça finira sur 1-0 alors que la Belgique avait la possession. C'est possible. C'est possible. Ok, donc ça c'est pour les matchs. Et là maintenant, on va regarder donc justement les matchs qui normalement se sont lancés. Donc Italie-Belgique, on va commencer. Ou france mais Bon, on va commencer par Italie-Belgique vu que c'est le premier groupe. Et donc là, on a la Belgique. Pour la prédiction. Euh, oui, c'est ça. En plus, c'est pour la prédiction, Pardon. tout à fait. On voit que la Belgique est en contre-attaque. Attends, j'espère pas du de... tout. Ouais, la Belgique est en contre-attaque en 4-4-2 et l'Italie en 3-5-2. Ouais. Alors ça, le, le... Attends, je n'ai pas le match devant les yeux. C'est bon. le là, live faisait, faisait des misères. <laughs> ça, la composition 4-4-2 contre-attaque, c'est une composition un peu passe-partout euh, qu'on voit souvent sur les premiers matchs de nouveaux tours. Parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre de l'adversaire. On ne sait pas du tout s'il va venir en contre-attaque ou s'il va venir en compo à, à possession. Et le 4-4-2 contre-attaque, il est bon sur ces deux aspects. C'est-à-dire que si euh, l'équipe en face est en contre-attaque, bah, euh, tu auras la possession et tu auras quand même des, une attaque et une défense sympa. Et s'il si joue en possession, bah, avec la contre-attaque, tu pourras espérer euh, de bonnes choses. Et là, du coup, pour la Belgique... Ça va être quand même compliqué parce que euh, pour avoir un bon 4-4-2 CA, il faut avoir tout de même une, un bon milieu de terrain. Et ouais. là, l'Italie écrase le milieu de terrain euh, de, de très très loin. Mais quand même, il y, y a des fronts d'attaque intéressants pour la Belgique, donc ça peut, ça peut faire un, un résultat assez... Déjà, un but... Oui, tiens, un but pour la France, pour le Liban, bon, Ça, on va y aller alors. Ok, et juste, alors, je voulais juste te dire, donc oui, par rapport au 4-4-2 de la Belgique, que tu sais, contre-attaque, donc c'est un peu genre passe partout. Et finalement, le 3-5-2 italien, c'est un peu genre, tu démonstration de force, c'est en mode on est confiant, on arrive en 3-5-2, on sort les grosses armes, quoi. Ça fait un peu ça, quoi, j'ai l'impression, côté italien. On a surtout que l'Italie, de souvenir, je, je demande de correction chat là dessus mais de se souvenir ils avaient un léger avantage de TS par rapport à la Belgique euh, maintenant on peut plus le voir parce qu'il y a le brouillard de guerre sur les équipes mais il y avait un petit avantage et il y avait un avantage de confiance aussi. Donc euh, ils peuvent s'appuyer sur, euh, sur ces deux points là. Ah et penalty pour la Belgique. Attends, on va juste suivre comme ce penalty dans ouais. ce cas-là parce que c'est quand même important et après on va passer quand même sur les autres matchs parce qu'il y a aussi des buts comme tu as dit. Euh, penalty pour la Belgique, par contre, ça c'est intéressant. Hein. Si la Belgique marque, euh... Ousif qui va tirer. et c'est raté. Ok. De toute façon, on porte la poisse. Il hein. ne faut pas oublier ce détail, c'est important. <laughs> donc voilà, penalty raté. Malheureusement, ça aurait été pas mal pour la Belgique de marquer euh, sur euh, sur un penalty euh, d'entrée de jeu comme ça. Euh, ensuite, ouais. on va passer sur France-Danemark, hein, donc chez les U21, donc dans l'autre groupe, euh, match ultra important. La France en 3-5-2 et le Danemark en 5-3-2. Donc contre attaque. Hein, oui, exactement. Ouais. C'est ça, la, la contre-attaque danoise, et la France, bah, toujours euh, dans la démonstration de force, la France qui sera un très gros milieu de terrain, mais en face, euh, la contre-attaque danoise est, est vraiment belle, vraiment belle et inquiétante, parce qu'ils ont une très grosse défense et deux belles ailes en attaque. Donc, il euh, faudra regarder ce qu'a qu dit le staff sur le, le forum, mais je pense qu'il sert un petit peu les fesses, là, en, en voyant cette compo qui, qui est quand même très très belle. Ouais, clairement, clairement. Et euh, je veux juste qu'Atox, met dans le chat 3-5-2 en Italie, c'est la base. Ouais, c'est vrai, c'est un peu la base, oui. c'est un peu le, la, la compo dominante de cette équipe, enfin qui, qui fonctionne. C'est la France gros. qui a mis un but, je sais pas si vous avez vu. Ouais, tout à fait, contre le Liban. C'est pour ça qu'on va essayer euh, d'enchaîner pour aller. Euh, non, t'inquiète, pas de Mais comme ça, on va aller voir France-Liban parce que ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, effectivement. Non, mais bien vu, vous êtes l'équipe de France qui marque ce but dans un match qui a l'air par contre assez équilibré, par contre, au vu des notes. C'est un 3-5-2 contre un 3-5-2. Euh, T'en penses quoi d'Arcel C'est quand même assez euh, équilibré hein, au vu des notes de secteur. Clairement, clairement, clairement. Grosse possession des deux côtés. On a de la chance d'avoir marqué sur notre première occasion et on a quand même des fronts d'attaque un peu plus intéressants que le Liban, mais un petit peu moins de milieu. Donc est... on est vraiment proche du 50-50. Ce qui va pouvoir faire la différence, c'est les spécialités peut-être la France a des spécialités absolument partout, alors que le Liban il y a un, un secteur ou deux où c'est pas forcément top. Mais, mais en tout cas, voilà, là il y a du, y a du gros, gros du gros lourd des deux côtés. Effectivement, et euh, petit pas qui nous dit que ça serait un pin pour le, pour le Liban. Euh, ok, d'où le fait oui. que le Liban arrive à, effectivement à, à dominer la France, même au milieu. OK et euh, salut Galloyane et euh, et on termine par Jamaïque Belgique donc ça c'est aussi chez les A c'est pour essayer toujours de faire la première, euh, la première victoire mais là la Belgique est pas en bonne posture la Belgique est en 4-4-2 4-4-2 contre-attaque aussi Ah oui comme les comme les U21 la même compo 4-4-2 contre un 3-5-2 en face et c'est plutôt à l'avantage de la Jamaïque quand même hein, je pense Là, le 4-4-2 est un petit peu plus pertinent parce que euh, la Belgique s'approche des 40% de possession. Alors, quand on fait un 4-4-2 CA, ce qu'on cherche à avoir, c'est d'avoir 40% de possession. C'est vraiment le ratio parfait pour, pour ce type de formation. Là, on est à 29% pour la Belgique, donc c'est assez intéressant. Il y a une très grosse défense et il y a en, en moyenne 22% sur les fronts d'attaque, donc quand Même c'est pas mal, c'est pas mal pour la Belgique, ça peut être intéressant pour eux. Ok, j'ai été voir sur le sur les forums euh, la présentation de la compo de Drum pour mm -hmm. euh, les U21 français. Et ce qui était pressenti pour le Danemark, c'était un 3-5-2 défensif pour eux, mais qui il, il a dit, il a dit lui-même avant même de voir la compo que si le Danemark sortait un 5-3-2 CA bilat, ça serait pas mal pour le Danemark, et ça serait peut-être euh, ce qui fraîché. Ah, et ce qui Donc est arrivé, euh, quoi. Est, voilà, oh, c'était ouais. un peu craint quand même, comme, comme, comme type de composition, de composition, et malheureusement, c'est ce qui est sorti. Effectivement, et c'est vrai qu'on voit les notes, ouais, ça fait un peu peur, enfin, ouais, c'est à voir, à voir, à voir comment ça va se goupier, tout ça, en tout cas. Ok, bah, intéressant, en tout cas, c'est des beaux matchs qu'on va suivre, hein. ce soir c'est chouette, il y a vraiment des... Des très beaux matchs. On espère en tout cas que pour la Belgique et la France, en tout cas chez les U21 et même chez les A aussi, hein, que, ça, que ça marche plutôt bien. Parce que, parce que en plus, si je dis pas de bêtises, alors attends, euh, parce que je vois que Kassé qui disait c'est pas lundi prochain la centième, c'est quand même la J2 du T5. C'est vrai que lundi c'est la deuxième journée, donc ça, veut dire, ça voudrait dire que vendredi prochain, pour la centième, il y a des possibilités de médaille pour la Belgique ou la France, hein, si ça se passe bien dans les groupes, hein, bien sûr. Donc, euh, donc on va espérer en tout cas des, des bons résultats. Ok très bien, écoutez, en tout cas pour les matchs, on suit ça en fil rouge de toute façon. Et je pense qu'on peut passer aux actualités parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas eu énormément d'actualités. Mis à part, je pense, Alpa, c'est toi qui nous disais ça hein, en... en coupe. Il y a eu les champions de coupe, enfin en tout cas en Coupe de France notamment. Ouais, je crois qu'il y a Kineto qui a gagné la Coupe de France contre uh, Goffio exactement euh, voilà euh, c'est à peu près tout j'ai pas trop trop suivi la, la Coupe de France cette saison j'ai juste vu que voilà c'est la finale s'était déroulée qu'ensuite il y a les... la semaine prochaine il y aura les finales de coupe secondaire du coup les coupes euh, Pantelis, euh, les trophées Pantelis euh, Ruby et et Maud, et la consolante aussi et voilà donc euh, est-ce que d'autres finales de coupe à, à jouer oui ça fait plaisir de, de revoir uh, Gofio au au haut niveau, oui. parce que c'était une, une ancienne gloire de, du championnat, et qui a eu pendant très longtemps une équipe en championnat, et il était retourné tout en bas, il avait même eu une grosse période d'inactivité, et de le voir remonter d'être déjà au haut niveau, c'est cool, ça fait plaisir pour lui. Ah, c'est vrai, effectivement, effectivement, et, euh... et est-ce que vous vous êtes engagé encore dans des coupes secondaires Est-ce que vous avez gagné des coupes secondaires euh, d'Arcel, Alpa non, non, okay, les quoi. coupes secondaires sont finies, donc euh, oui, vrai. On, on peut plus être dedans. <laughs> Souvent en France, non Attends, en France, c'est pas encore fini, si Ah non, en France, c'est pas fini. En si. France, c'est pas, pas fini. Ouais. Mais euh, c'est vrai que genre en Algérie ou je sais pas, enfin où vous êtes ou peut-être au Luxembourg et tout ça là, effectivement, c'est peut-être fini. Il euh, a peut-être moins d'équipes euh, qu'en France, effectivement. Ouais. Et vous dans le chat, dites-nous aussi hein, dans le chat si vous êtes encore en coupe, si enfin, si vous avez gagné une coupe ou pas, ou si vous avez été en finale, ou si vous avez été loin. N'hésitez pas à nous dire aussi. Et salut à Dundee aussi euh, qui nous rejoint. Donc voilà, en tout cas, bon, donc pour les actualités, voilà, petites actualités, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu de choses officielles, hein, de toute façon, dans le jeu cette semaine, si j'ai pas de bêtises. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a rien eu de spécial. C'est un peu la fin de saison, hein. souvent la fin de saison, c'est euh, pas dans les dernières semaines des, des championnats qui va se passer des grosses choses. Enfin, quoi que ça pourrait, mais je veux dire, ça peut être calme aussi. C'est Par contre, à l'intersaison, ça pourrait peut-être bouger, on espère. Euh... Euh, Galwayan qui me dit J'ai gagné le droit de jouer les barrages. Alors c'est les barrages pour monter, c'est bien. C'est les barrages pour pas descendre, c'est peut-être moins bien. Ça dépend quel barrage, quoi. Déjà ça, déjà ça. De d'atteindre les barrages, c'est déjà une bonne chose des fois. De t'es pas encore mort. Oui, ça aussi. c'est vrai que c'est les barrages pour descendre, c'est pas mal. T'es pas septième ou huitième, quoi, généralement. Ah pour pas descendre, c'est ça. T9 de consolante pour moi nous dit Katox. Ah intéressant. T9. Dans quel pays T9 c'est quoi C'est donc T9. Je vois qu'on est au T 12 en France donc euh... ah non T9 ok il est arrivé jusqu'au T9 okay, pendant de consolante pour, de, cons de consolante pardon pour catox ok pour mm -hmm. pas descendre euh, je joue un titre de Détroit à sao tomé ok mm -hmm. intéressant ah ça. si moi j'ai une Me concernant je jouais en je, je me suis qualifié pour jouer en championnat Côte war donc euh, je rejoins de la, pour la première fois la première euh, la première division d'un pays ça, ah, excellent ah bien Alors. joué en Côte d'Ivoire. Ok attends on va ah. jeter un petit coup d'œil quand même. À une journée de la fin, j'ai réussi à me qualifier euh, avec un peu de chance, je pense, mais du coup je vais pouvoir jouer euh, un championnat d'un pays en Afrique avec mes une, une équipes. Avec ton équipe qui s'appelle... Euh... Le, le Spartak. Spartak Sic 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 Sicilia. Ah oui, oui, Spartak Sicilia, effectivement. 37... Ah oui, t'as complètement marché sur la division, par contre, en vrai. Franchement, <laughs> 37, 28 pour le deuxième, ok. 9 points d'avance. Félicitations, ok, excellent, bonne nouvelle. Euh... Fini deuxième de Détroit, Népal, nous dit Choucheux. J'ai toujours pas gagné la Coupe des animaux, nous dit Galoyane. Mais il faudrait la truquer, tu peux la truquer, t'inquiète. <laughs> Maintient assurant des 5 en France et champion des 7 en Ligue Anniversaire. Ok, mode slagien pour la réussite premier d'un pays. <laughs> <laughs> J'y ai pensé à ça. <laughs> et tiens, on... parce qu'on parle des. C'est vrai qu'en France, j'ai pas suivi les deux dernières journées, je pense. Est-ce que Kasselec est en tête ou pas Ah non, c'est Kineto. Ah, c'est intéressant. C'est quoi le dernier match Donc à pour Kassélék, ouais. Je... Je ah bah, qui joue à l'extérieur face aux Aigles de Brégil ou de Brégil. ça c'est de Oui, de Aiglefin, ça okay, me semblait bien. Et Caliente Team de Kineto qui va affronter le FC Evans. Ah quand même, FC Evans. Il euh, y a encore un peu d'espoir pour Cassedec, mais il y a beaucoup d'espoir pour Kineto aussi. Donc euh, ça va être une fin de championnat intéressante en tout cas. Avantage à Kineto hein, quand même largement. Enfin, dans le sens où il euh, là, là, a 3 points d'avance et trois buts en plus euh, au average Kineto va faire le doublé. J'ai chié dans la colle avec ma compose samedi dernier. Ah, ok, cassé, <laughs> qui s'en mord les doigts, faut croire. De... Euh, ok. Ok, intéressant. En tout cas, cette fin de saison hein, pour tout le monde, bah, c'est la fin de saison pour tout le monde. Donc, effectivement, euh... il se passe des choses. Ok, moi, si vous voulez, on peut passer sur la tribune des supporters parce qu'on a reçu un peu de courriers. Et ça, ça fait plaisir. Euh... Alors, la tribune des supporters, vous savez que vous pouvez envoyer vos courriers, on va les lire, etc. Alors, on va commencer par un premier courrier de. Euh... Alors, attendez, je vais juste le prendre. Euh, chef lindois, alors qui nous avait dit la semaine dernière, je ne sais pas si Alpa est là ce soir, mais j'ai une question pour la tribune des supporters. Donc, on y a déjà répondu, Alpa, ne t'en fais pas. Dans le manuel non officiel, il dit que le tempérament de chef du coach catastrophique ne tient que quelques semaines. Mon coach Andoran là depuis dix semaines, est-ce que ça a été revu Et Darcel tu avais répondu à raison tu avais dit que, justement, euh, ça allait certainement chuter. Enfin, que c'était normal, c'était, on va dire, dans les clous, et que ça allait certainement chuter euh, prochainement. C'était un peu ça, on va dire, euh, en résumé, ce que tu avais dit. Et Cheikh nous a quand Parce même y a dit... Il n'y de... a pas de valeur exacte de semaine précise, mais il était encore dans les clous euh, à la limite haute. Euh... Oui, c'est ça, voilà. Et là, tu avais raison, et c'est là où on montre qu'on a quand même une équipe de professionnels. C'est que Chef Lindois nous a répondu aujourd'hui, enfin hier, il a mis réponse à ma question sur le tempérament de chef. Il a chuté lundi, donc 13 semaines, le TDC1 qui fait chuter le niveau du coach de 5 à 4. Donc voilà, tu, tu avais bien vu, bien pressenti, bien voilà. répondu en tout cas d'Arcel. Donc c'était confirmé en tout cas par Chef Lindois. Donc, euh, nickel en tout cas. Donc, ça c'est bien comme ça. Mais c'est bien, merci un hein, chef d'un doigt. Comme ça, on a un petit suivi justement par rapport à la question et ça intéresse certainement d'autres personnes et tout. Bah, au moins, on a la réponse. Donc, ça c'est top. Et alors, on va faire aussi. Euh, on a reçu. Alors, ça c'est assez sympa. C'est Katox euh, qui d'ailleurs est aussi dans le chat qui nous a envoyé, alors je ne l'ai pas marqué à l'écran parce que c'est un peu long, ça rentrait pas dans l'écran, mais il nous a fait un résumé. Je pense que, alors ça a parlé à plein de gens, peut-être pas à tout le monde, bon, ceux qui ne sont pas dedans, ne vous en faites pas, on va essayer de vous expliquer. En fait, il y a un tournoi qui a été mis en place par euh, Fabio, enfin il y a plusieurs tournois qui ont été mis en place par Fabio, mais un des tournois, c'est le tournoi 2024 Crédit. Je pense que tu es d'ancien hein, Darcel, si j'ai pas de bêtises, ou j'ai un doute là. Ouais. Tu es dans celui-là aussi, ouais. Ouais, ouais. ouais. Non. Et ben Katox nous a fait un petit résumé en fait de ce tournoi. Et il s'est dit, pourquoi pas, en tout cas, à voir si ça vous plaît. En tout cas, il pourrait faire un résumé... Euh régulièrement, enfin suivant, voilà, sur les disponibilités, etc. Donc je vais vous lire le résumé, j'ai pas pu l'afficher, c'est un peu long, mais ça va, ça va quand même aller vite, hein, pour le dire, ça va pas durer deux heures, je vous rassure. Euh, euh, on retiendra de cette première journée que c'est Vala, le premier leader du tournoi 2024 crédit. Il bat Rastov 0-6 dans un duel de 2-5-3 dont il avait largement la possession. Rastov ne pouvait pas faire grand-chose. Le FC Bruxelles, dirigé par Franz 461, est le dauphin de Slanor, euh, grâce à une victoire 0-4 chez Dapidu. Bon, ouais, ça, c'est pas grave. <laughs> Ici aussi, le 2-5-3 aura été la tactique gagnante. A nouveau, une victoire à l'extérieur pour le troisième et à nouveau un cinglant 0-4 pour Petit Filou face à 7 kills. Ce dernier avait pourtant été bien prudent dans un 5-2-3 en contre-attaque et des notes de secteur défensif très honnêtes. Mais l'équipe de Petit Filou n'aura laissé aucune chance à son adversaire en lui mettant 3 buts dans les 10 premières minutes, dont un SE SO imprévisible dès la deuxième minute. Et la quatrième place est occupée par le cercle athlétique Messin de Naka 57, qui a lui aussi remporté son match à l'extérieur sur, le, sur le score de 1-4 face au Sénégal Atri Club de Petit Club. Naka aura été dominateur dans tous les secteurs de jeu, mais ce sera tout de même fait peur suite à la réduction du score à 1-2 par l'attaquant imprévisible Larusson à la 52e minute. Donc voilà pour le résumé de Katox en tout cas, c'est assez sympa. Alors peut-être juste pour expliquer aux gens, c'est vrai que les gens qui ne sont pas dans ce tournoi, peut-être qu'ils ne comprennent pas. En fait, Fabio a invité pas mal de gens de la communauté, je pense, euh, de la communauté à un tournoi, on va dire, euh, amical quoi, entre nous, on va dire, sur, sur le jeu. C'est ça, hein, Darcel euh... Ouais, en fait, le, le principe de ces tournois amicaux, c'est qu'ils paye lui euh, pour euh, que les gens aient un tournoi gratuit et ça permet ce tournoi de, bah, de tester des compos à droite à gauche, tester des joueurs, euh, essayer d'autres routines, voir, voir tout ce que vous pouvez faire. Donc c'est un bon jeu, c'est cool, cool de sa part. Ouais clairement, je vais vous l'afficher comme ça vous pourrez peut-être voir pour les, enfin, justement, pour les gens qui sont pas dedans, ils pourront peut-être euh, voir un petit peu ce que ça donne au cas où. Euh, donc c'est le 2024 crédit, alors attendez je vais juste le prendre rapidement, hop. Hop. et donc voilà vous allez voir c'est tous des noms connus alors bon c'est vrai qu'on voit pas les en fait je me rends compte qu'on voit pas les pseudos mais on voit les équipes donc peut-être que ça va moins parler mais voilà en gros euh, Slanor hein, c'est Vala France, euh, Petit Filou euh, Naka euh, Granada Football c'est euh, J Ortega Boiteux Brestois bah, ça c'est oui, Grand Vince Veridisco ça c'est Darcel Ravanusa ça c'est euh, Alpa euh, Fabio euh, Polaris c'est Mev RC Toteuil, c'est C'est Pas Moi, team désolé, je fais vite faire un Katox oui, euh, Petit Club, 7Kill, Dapidu et Rastov. Donc euh, voilà, c'est un petit championnat marrant, voilà, entre nous. Mais, euh, mais on n'a pas oublié l'idée, je tiens quand même à redire, on n'a pas oublié l'idée qu'un jour on fera un tournoi, en tout cas, acheté Actu, ouvert à tous, enfin, euh, dans le futur. Donc voilà, ça, on n'a pas oublié l'idée, mais euh, c'est en cours de, de réflexion aussi, encore de notre côté, pour la mise en place. Euh, je me suis fait voler... Alors, qu'est-ce que ça dit euh euh, je me suis fait voler par grand vide son tournoi, il arrache le nul à la 86e. <laughs> je suis dans le tournoi du jour de paye que va gagner casselec Je suis dans le tournoi du jour de paye. C'est ah, okay, bon, le nom du tournoi. Ah oui, ok, d'accord. Okay, le jour de paye. Ok, pas mal. Euh, donc voilà, en tout cas, donc pour les actualités, euh, bon, c'est déjà pas mal. Voilà, Semaine plutôt euh, plutôt calme. Et si vous voulez euh, que je ne pas de bêtises, euh, on peut enchaîner. Si tu veux, euh, Z a une chronique. Alors vraiment, euh, rien à voir avec tricks Mais là, vraiment rien à voir. Bon, comme d'habitude, tu vas me dire. Tout à fait. C'est toujours le concept. Euh, cette semaine, je sais pas chez vous, mais chez nous, il y a eu beaucoup de neige. Euh, on s'est retrouvé bien, bien, bien embêté à devoir rester à la maison, à pas pouvoir sortir. Darcel il va rire. Des... Hein. <rire> celle, il va se Des, acc... <laughs> des accidents en <laughs> pagaille. Oui, bon, dès qu'il y a des flocons, <laughs> ici, les gens ne savent pas ce qu'est la neige et c'est la catastrophe. Euh, du coup, bah, il y a eu beaucoup d'appels aux services d'urgence. Et je me suis demandé un petit peu euh, quel genre d'appel marrant, ridicule, embêtant nos services d'urgence, donc que ce soit police ou, euh, ou ambulance, euh, pouvaient recevoir. Et du coup, je suis tombé sur, sur différents types d'appels. Euh, je vais commencer par un petit truc tout mignon. En 2021, la police de Wellington, en Nouvelle-Zélande, a reçu euh, un coup de téléphone qui se déroulait ainsi. Ici, la police, quelle est votre urgence demande l'opératrice téléphonique. Bonjour, madame la police, répond une petite voix au bout du fil. Il s'agit d'un petit garçon. Oui, que se passe-t-il interroge la policière attendrie. Je peux vous dire quelque chose hésite l'enfant. Oui, tu peux me dire, assure-t-elle, j'ai des jouets pour vous affirme le bout de chou. Tu as des jouets pour moi répète l'interlocutrice, surprise de cette, de cette sortie. Oui, venez les voir, dit le petit garçon avec aplomb. Euh, du coup, bah, un membre de la famille du petit garçon récupère le téléphone, balbutie, euh, s'excuse euh, et dit Bon, bah, l'enfant a l'habitude d'aider sa mère quand elle est malade et du coup connaît le, le numéro des, des secours. Euh, et là, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un policier qui a attendu cet appel et qui lui lance sur, euh, sur la radio Un enfant de 4 ans veut qu'on aille voir ses jouets. Ces jouets sont cool, et ce qui se passe c'est que un autre agent qui avait sans doute le temps a été jusqu'au domicile du petit garçon pour voir ses jouets, euh, discuter avec, lui montrer son véhicule, et puis lui rappeler gentiment que le numéro de la police était réservé aux urgences. Voilà. Okay. Mignon, mignon histoire je, la vais... je vais te faire un petit message d'urgence parce que la France a ouvert le score face au Danemark. Oui, je viens et de voir 21. ça. C'est excellent, bien, excellent. Ça. excellente nouvelle, ça. Effectivement. C'est un but qui passera dans les journaux et je... vous comprendrez pourquoi j'ai fait cette phrase. Ok, je vois, je comprends. Okay. <laughs> pas compris. Tu, tu rigoles très fort. Ça me fait non, plaisir. non, mais c'est bien. Non, <laughs> mais c'est bien, c'est bien. C'est mieux que ça. Attends, et attends, attends, et attends. un deuxième but, mais là pour l'équipe de France face ah, au oui, Liban. des Ah aussi. Bon. Ouais. Et ça, c'est un but qui va... Non, j'arrive pas à trouver de jeu de mots. Quoi. Qui va rester dans les amarales. Non, bon, bref, ça marche. Dans pas. les amarales, ouais. Alors, un peu, un peu, bof, quoi. <laughs> euh, ok, Zed, pardon. On se fait plaisir, là, on te... Tu vois, on te ah on bah non, bah allez-y, allez-y. <laughs> euh, sinon, en août 2023, donc tout récent, la police de Troyes, dans le département de l'Aube, euh, a dû procéder à une intervention un peu, euh, peu banale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une dame est chez elle euh, elle sort de chez elle pour une raison x y et au moment où elle revient elle entend des bruits suspects et du coup elle appelle la police euh, elle reste sur son palier et en fait la, quand la police arrive en fait, c'est simplement sa télé cette dame, je ne sais pas ce qu'elle avait pris avait oublié que sa, sa télé était encore allumée ok voilà, c'est des trucs un peu... Ouais, dit comme ça, c'est pas si marrant, en fait. Non, mais si, si, c'est bien, si, mais c'est bien, c'est bien. Euh, sinon, je... Désolé, j'étais malade cette semaine. Bon, alors, euh, sinon, un peu plus marrant, là, là c'est un peu plus grivois. Euh, C'était passé sur RTL TVI en Belgique. Il euh, diffuse une émission qui est piquée des, des USA, où en gros, ils sont dans les standards des... Euh, des... Euh, comment les services de secours, euh, ça, de la police. Les services je de pense secours ouais. au, niveau de, au niveau des standards, voilà, donc au niveau des, des opérateurs. Et euh, donc là, ce qui se passe, c'est que c'est véridique, en fait, souvent, bon, c'est anonymisé, c'est rejoué, on va dire, mais euh, c'est de ce qu'ils disent, en tout cas, c'est des histoires vraies. Et donc là, il y a, euh, lorsque l'opératrice décroche, il y a un homme qui, euh, qui raconte la mésaventure qu'il vient d'avoir. Il dit J'ai un gros souci, j'ai eu un rapport intime avec ma compagne, elle m'a mordu mon zizi. Je saigne abondamment et il me manque un morceau, elle l'a pris avec elle. Voilà, déjà tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Et là le mec, comme si c'est pas fini, il dit vous savez ce que j'ai fait J'ai mis du poivre blanc et aussi de la poudre de cacao. Quoi okay. Ça pas okay. bon <laughs> désinfectant. Ça serait pas ça de base, ça, hein, euh... mais bon ok <laughs> Après, bon bah du coup l'opératrice euh, bah, essaie de, de garder son, son calme et surtout de ne pas rentrer dans un fourier monstrueux. Elle lui dit bah écoutez, il faut aller à l'hôpital, euh, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et, euh, et du coup, bah, elle leur envoie une ambulance. Euh, et le, le dernier il explique que bon bah il est quand même gêné que les ambulances viennent, parce que c'est pas la première fois qu'il les appelle. Euh, quelques semaines avant, il, il aurait déjà appelé l'ambulance parce qu'il se serait blessé de l'autre côté en s'insérant une bougie. Ok d'accord bon ok, okay. Là, je pratique me dis, spéciale là, les... quoi on va dire les pauvres <laughs> pompiers effectivement euh, je me dis quand ils arrivent chez eux ils se demandent bon qu'est-ce qu'il y a encore ça, <laughs> <La de> <rire> <bougie."> <rire> euh, sinon dans les petits trucs j'ai trouvé des petits trucs assez sympas enfin des trucs euh, un peu euh, un peu marrants euh, une femme qui appelle donc c'est euh, la police américaine en 2012 de Chatham qui, euh, qui a relevé quelques appels insolites qu'ils ont reçus euh, une femme qui les appelle le plus sérieusement du monde bah, elle n'était plus très sérieuse euh, parce que euh, elle voulait porter plainte contre le trafiquant de drogue qui lui avait vendu des substances hallucinogènes c'est un peu le principe de substances hallucinogènes ouais. euh... <laughs> euh... ah oui sinon une soute mignonne que je trouve euh, toujours aux états unis une fillette de 3 ans a composé le, le 911, du coup le, le numéro des secours, euh, parce qu'elle regardait le film Cars. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un film avec des voitures. Oh, tout à fait, ouais. Pour les enfants. Et effectivement, elle se posait des questions sur la sécurité euh, du, du véhicule Flash McQueen, le héros, euh, lors du film. Donc du coup, elle voulait demander un petit peu à la police si, euh, si tout ça était bien euh, était bien sécur. Et, et ça l'est ou pas <laughs> euh, Je ne bah, j'ai pas la suite. Et sinon, j'ai trouvé trois, trois échanges euh, qui, ont été, euh, qui ont été rapportés par des services euh, de secours au téléphone en France. Euh, donc, l'opérateur qui dit Que vous arrive-t-il Le patient, mais le plus sérieusement du monde, Bon je me dis Est-ce que c'est vrai ou pas euh, J'étais en bas, j'ai eu une douleur à la poitrine, j'ai monté trois étages par les escaliers. Comme je suis un ancien infirmier militaire, je me suis fait un massage cardiaque et ça va mieux. Mais je voudrais quand même <laughs> voir un médecin. Okay. L'auto massage wow. cardiaque, est-ce que ça marche C'est possible quoi. Veux... Enfin, je sais pas. Euh, ben, je pense pas en fait. Hein. Ah non, voilà. tu peux pas. vas ouais. t'appuyer sur toi-même, tu vois, en fait. J'essaye là à l'instant, mais je pense pas que ça non, marche. Non, non, évite <laughs> quand même, parce que tu vas te casser une côte. Si, si ça marche, tu vas nous faire une démo de côte cassée. <laughs> mais non, mais ça marche. Je pense pas que ça marche. Quoi. Ok. Sinon, quelqu'un qui appelle, qui dit, venez vite, ma femme m'a fait un malaise. L'opérateur qui demande elle parle, et puis on entend au loin une voix qui dit, dis-leur que non, sinon ils vont pas venir. Okay. <laughs> Et, et alors là, sinon, toujours dans le mec euh, complètement barré, euh, il appelle Oui, ma femme a fait un malaise. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais qu'est-ce que vous faites ben, Un massage cardiaque. Et là, l'opérateur qui dit Mais celle que j'entends je vous, vous demander d'arrêter derrière Bah ben, oui. Voilà. Ouais. C'est ouais, bizarre. Quand même. Ouais, parfois, il y a des appels, je pense. C'est ouais bon. oui. voilà, okay, un truc que j'ai C'est Ah, c'est que j'ai trouvé. Oui, but de, but oui, de l'Italie, oui, oui, effectivement. Face à la Belgique. Partage d'ailleurs favori dans nos. Dans nos prédictions, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible, il ouais, y a peut-être plus de ouais. points sur effectivement. Effectivement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Et, euh, mmh. Non, mais sympa. Mais après, oui, c'est vrai que j'imagine, à mon avis, en travaillant dans les trucs d'urgence, tu dois entendre parfois des appels vraiment fous. Euh, et des trucs qui sont sans doute confidentiels et qui ne sont sans doute pas dits ici. Quoi. Ça aussi, ça aussi. mais il doit vraiment ouais, y avoir de, de tout. Hein. Euh... Alors, euh, qu'est-ce qu'on a Donc ah, Oui, je voulais juste dire bonjour à Renard the Dealer salut à Seb Guy aussi. Et Dundee qui me dit merci parce que Dundee a marqué son penalty. Il ne devait pas y avoir de nouvelles animations pour les pénaux. Alors il y en a pas encore. Il y a toujours les mêmes animations, mais il y a toujours l'animation cachée que personne n'a jamais trouvé. Hein, je pense. <laughs> C'est un truc de fou. Hein, Z, tu te rappelles Il y a une animation peut cachée. Peut-être qu'on peut qu a mal cité le truc. Hein, je me dis. avec ah, le temps, on euh, va vérifier. Hein. C'est vrai que normalement, statistiquement, ça, ça aurait dû sortir. Après, franchement, enfin, il y a pas tant de pénalties que ça qui sont tirés tu vois. Moi, je me rappelle. Je pense que j'ai la probabilité. Je sais pas si exagéré, quoi. C'est un peu comme le moteur de jeu quand on est à à 80% et qu'on marque pas, tu vois. Ah, J'ai entendu parler d'un hamster à la un place peu de... peu comme le moteur de jeu avec le... avec le pourcentage de chance que la France marque un but, euh, gagne une Coupe du Monde ou quelque chose. C'est ça, voilà, ouais. c'est les mêmes probabilités, tu vois. Ça. Ouais. Mais, euh... Donc voilà, non, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de nouvelles animations, mais ça, on... il faut qu'on mette ça en place. Déjà, il faut qu'on retrouve les accès avec à... comment est-ce qu'on avait fait ça à l'époque, ça date d'il y a deux ans, mais ça peut être une idée. Mais ok en tout cas, merci euh, Zed. Euh, on, écoutez, on va se mettre sur la page des matchs. Moi si vous voulez, donc voilà, comme on avait dit, ce sera certainement une petite émission, parce que c'est vrai que finalement on n'a pas énormément de contenu, comme il euh, y a eu ce changement de programme, etc. Mais euh, j'aurais bien voulu quand même voir avec vous dans le chat, comme c'est est la pré centième émission, donc ça veut dire euh, c'est quand même sans émission, sans vendredi on était présents, de voir un peu avec vous dans le chat qu'est-ce que vous avez aimé en fait dans les... Alors.. Si vous étiez pas là depuis le début, ne vous en faites pas. Dites euh, si vous suivez depuis trois semaines, vous dites depuis trois semaines s'il y a eu quelque chose ou pas. Mais euh, de voir un peu les moments qui vous ont peut-être marqué, euh, je sais pas, euh, voilà, les moments que vous avez appréciés et tout ça. Euh, je serais un peu curieux de voir un peu vos avis. Euh, Qu'est-ce que vous retenez Moi je pense qu'il y a plein de moments que je retiens, mais je vais peut-être d'abord voir avec, je sais pas si Z, Alpha, Darcel, si vous, vous avez peut-être des moments que vous avez appréciés ou je ne sais pas, euh, qui vous ont marqué. Ou pas. Euh... <laughs> peut-être pas. <laughs> en fait, non, peut-être mmh. rien. <laughs> bah quoi, relatif à l'émission ou relatif ouais, à ce qui est autour de l'émission Relatif à l'émission ou, ou autour comme tu veux, tu vois, relatif... Euh... Moi, si on me dit un moment qui, euh, pourtant, je pense qu'il faut en parler, c'est aussi lui rendre hommage et se le rappeler. Moi, un moment qui a été, euh, qui a été marquant, je pense celui qui marquera le plus, c'est quand même la, la disparition de, de Fat Pantelis Oui, c'est vrai aussi. Ouais, mais Désolé, non, mais je, je, marquant, je commence non, à non, en ouais. prenant mais comme je dis non, je pense qu'il faut en parler, enfin lui, lui rendre hommage aussi. Euh, mais euh, ouais ça a été franchement on l'avait interviewé il était venu et puis, euh, puis je sais pas il y avait et puis ce qui s'est passé après franchement moi c'est le seul truc qui, le truc qui me marque le plus c'est ça quoi ok ok après mais, euh, dans comprends. les bons moments enfin bon, tout le temps que j'ai la parole je la prends oui, dans les bons moments bah, bah déjà tous les, les invités enfin généralement les, les moments qu'on passe euh, en pré live post live pendant le live avec tous avec nous, tous nos invités c'est vrai qu'il y avait eu euh, les premières émissions aussi, c'était quand même assez sympa. Si j'ai pas la première, on l'a fait à qui On l'a vu à Alpa, d'ailleurs. C'était Alpa. La toute première, c'était Alpa, ouais, comme invité. Alpa, on a eu TLS après, je crois. Euh... Les premiers invités, on avait eu TLS, on avait eu Galwayan, on avait Cochon, d'ailleurs. Si tu nous écoutes, Cochon, salut. Ouais. Donc. Euh, il, ouais, nous, il nous met en Cochon, d'ailleurs. Un Cochon. Euh, ouais, c'est vrai. que', que... c'est vrai. 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 Il, a pour... il a apporté quelque chose quand il venait. C'était. Ouais c'était oui, une tornade mais de, de, de bonne humeur tu vois, une bonne tornade, tu vois, ça mettait ça. vraiment le... Il mettait le feu tu vois ça. mais positivement ah, oui. quoi. Et puis aussi uh, dans on les moments... Cochon hein. pour que la Belgique marque. Ah en fond, il se fait dire cochon. La ouais bien vu, ah, c'est bah Le mot voilà. mystère, cochon, ok on dira plusieurs fois cochon dans la soirée. Hein. Et <laughs> puis tu aussi ouais dans les, les moments bien. amusants, enfin le Casselec. casselec quand euh, on était sur quoi Sur le sur quel tour de la Coupe de, du Monde Attends, alors je sais pas si. T'as dit, dit amusant, je sais pas si Kasselek va penser que c'est amusant. Ah si non, tu oui, non, mais si. Il euh, <laughs> y avait un post que qui avait fait que j'ai jamais retrouvé, qui, qui décrivait le truc, qui, qui disait, ben, voilà, tout le monde qui était euh, l'euphorie, l'euphorie, c'est plié, c'est réglé, et puis bam, un but, deux buts, trois buts. C'était assez. Euh, ça reste oui. amusant. Bon, ne dira peut-être pas ça, mais moi j'ai trouvé ce moment très, euh, très marrant. La oui. preuve, on en rigole encore maintenant. Ah ouais, c'est vrai, c'est enfin, pas que c'est marrant mais c'est marquant. Ça c'est sûr que c'était marquant, tu vois. Moi bon, c'est vraiment le moment le plus marquant que j'ai en tête. Hein. C'est cette, cette soirée-là, ce qui était assez folle quoi. Avec et, euh, ah, ah, dans, dans, Par contre dans une plus un truc plus joyeux, c'est quand même euh, euh, la victoire, la première. Je crois que le premier match du Drum Tune, où euh, oui. il marge, <laughs> là c'est lui qui gagne à la dernière minute et il fait un cri de fou, il court dans son appart, je sais pas ce qu'il fait mais. C'est un moment je... de joie intense, quoi. Chef l'Indois qui marque le but en live de la France ça. avec le « Chéri, j'aime mmh. ce jeu », c'est ça Et il dit genre « Chéri, j'aime mmh. ce jeu !» ou je sais pas, il crie comme ça, ouais, ouais c'est vrai que... <laughs> c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'était aussi marquant, j'avoue. Darcel, toi, il y a des moments peut-être aussi... Euh... Bah, c'est vrai que ceux-là, c'est quand même les... des grands moments marquants, hein, je pense. Ouais. Ouais, vous en avez balancé des beaux, mais, ouais. mais le, le fait d'avoir plein d'invités à chaque fois, différents, avec... Euh... Toujours de, de, de la bonne humeur à chaque fois, c'est ouais. le moment marquant au global, quoi. Ça, c'est cool de voir que les gens, ça leur plaît, qu'ils qu continuent à suivre, etc. C'est trop bien. Ouais, clairement, clairement. Et franchement, et c'est vraiment pas... Alors, parce qu'on pourrait penser que c'était de la... Comment on appelle ça Tu sais, quand tu dis quelque chose, mais que tu penses pas à la télé, les trucs de politiciens, là, de la... la langue de bois. De bois. La langue ouais, de ça. bois. Mais c'est pas du tout la langue de bois. Mais franchement, en vrai, il n'y a jamais un invité... Avec lequel ça s'est pas bien passé, hein, je pense, mais vraiment, tu vois, je dis ça sérieusement, je pense qu'à chaque fois, ça s'est ultra bien passé, en fait, vraiment. C'est vrai, il hein, n'y a pas... Euh... Enfin, moi, dans mes souvenirs, en tout cas, il n'y a pas un invité où je me suis dit, tiens, euh, tu sais, genre, ça n'a pas été pour une raison X ou Y, ou tu sais, peut-être parfois, il y a moins de feeling. En fait, à chaque fois, ça se passe bien. C'est pour ça qu'avec des invités, ouais, c'est toujours chouette, en tout cas. Ah ouais, Cochon Star venait, j'ai raté ça. Ouais, Cochon Star, à... au début, il venait, enfin, régulièrement, il est venu en tant qu'invité... Il est venu quelques fois par après. Il avait même une petite chronique, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein, mais il a fait une petite chronique aussi. Euh, ouais, si, Cochon Star. Tu peux retrouver ça dans les, dans les replays. Euh, ouais, moi, je réfléchis. Ouais, dans les... euh, pardon, vas-y. Acheter Johan aussi. Acheter Johan aussi. Ouais, ça, ça m'a. Ouais, j'étais assez content parce que. Enfin, moi, ça m'a aussi marqué. Enfin, tous ceux que vous avez dit aussi. Mais acheter Johan, c'est vrai qu'il y a eu un truc un peu marquant. Pour moi, de mon côté, en tout cas, parce que c'était le fait de. On l'a eu très rapidement au début de l'émission, tu vois. Je crois que c'était la huitième émission, si je dis pas de bêtises. Je crois la huitième ou la neuvième. Donc c'était vraiment très rapide, ça faisait à peine deux mois qu'on était là. Et il a accepté, et ça fait un peu, tu sais, genre... Je pense qu'on a un peu... Enfin, pour nous, ça faisait plaisir de dire, ouais, on arrive à avoir un officiel, donc ça montre que... C'est pas qu'il valide de trucs, pas du tout, mais ça faisait un peu un côté vraiment très sérieux, et, et c'est vrai que ça, c'était pas mal. Et euh... ouais, acheter Johan, ça, ça fait partie quand même aussi des, des bons moments. Euh... Il y a eu du monde ce soir-là d'ailleurs dans le chat et je pense qu'il y avait même des anglophones. Il y a des gens qui étaient je pense un peu curieux aussi de, de voir crois, ça. Je crois ouais. que dans les, les replays YouTube, c'était cette émission-là et celle de Fat Pantelis qui sont les plus euh, les plus je crois. Ouais c'est possible c'est possible. Oui. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de... dans le chat si vous avez aussi des souvenirs n'hésitez pas hein, si si vous avez des. Euh... des euh... Moi j'ai un moment marquant euh, négatif parce qu'il faut bien en dire un mais c'est juste parce que je pense que parfois il faut prendre du recul sur les choses. Et c'est un truc, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un, je sais plus avec qui, mais je crois pas que j'en ai parlé, euh, machin. Mais c'était un, un truc, comment dire, un, un raté que j'ai fait. Enfin, je pense c'est un raté. Pour moi, c'est pas un raté, mais je pense que pour des gens, c'était un raté. Enfin, bon, bref. C'est quand j'ai annoncé le retour du 12e homme, la deuxième saison, avec coups qui était le premier invité. Et en fait, Siskoof, et c'est vrai, il, ça s'était très mal passé avec la communauté, ce qu'il avait fait, etc. Et je me suis. En fait, moi, j'étais tout fier d'annoncer ça, en grande pompe. En plus, ouais, on a une surprise, vous allez voir, machin et tout. Et j'ai annoncé ça et je me suis pris un retour de bâton. En fait, c'est la première fois et franchement, c'était très soft. Hein. Je pense qu'il y a des... Il y a des gens qui parfois sur les réseaux sociaux, sur, sur internet de manière générale. Parfois des gens se prennent vraiment des grosses claques. Moi ça a été vraiment très très léger, mais je me suis pris quelques critiques. Et c'est la première fois où franchement je me suis pris un peu des critiques. Mais j'ai pas mal vécu du tout. Hein. Franchement ça va. Mais avec le recul c'est vrai que j'ai compris où je me dis ouais c'est vrai que c'était peut-être un peu bête. Pourtant et je le répète si c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment euh, dans, on va dire dans, en vrai en tout cas pas au niveau communautaire ça c'est encore je mets ça à part. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien en parlant en tout cas. Mais c'est vrai que faire ça, annoncer ça en grande pompe et que ça soit un fail, ça, ça m'a un peu marqué moi plus personnellement, parce que je me dis ah ouais c'est là, c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut faire attention, enfin faut vraiment faire attention. Je sais pas comment, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais oui c'est, on peut, on peut toucher les gens négativement en faisant des, des erreurs quoi, en gros et c'est là où faut faire un peu attention aussi quoi. Mais, euh, mmh. mais aucun regret après, voilà, c'est à refaire, oui je leur, je leur ferai différemment quoi, on va dire. Mais euh... j'ai bien aimé l'émission où l'IRL est dévoilée avec cette quille et TLS. Alors ouais, alors ça... <laughs> Putain, ça c'est vrai que... Euh... Attends, il attends, y a d'autres messages Récemment, un truc qui m'a marqué, c'est le courrier de Gour... Gourcufigno manager non-voyant, qui suit l'émission Alors ça, Galoine, t'as raison, à 100%. C'est vrai que je pense avec Darcel, Alpa et Z, ça nous a vraiment touché je pense, euh, le message de Gourcufinio. Oui. Vraiment, hein, quand, quand on l'a lu... Oui, oui pardon. Oui. C'est vrai, et surtout après, les, les gens qui ont été impliqués pour faire des logos pour lui, tu as eu ouais, euh, ouais. deux trois personnes qui ont été trop managers, qui étaient motivés pour faire des, managers pour, des logos pour lui, c'était chouette de faire. Ah ouais, non, trop bien. Et en plus, c'est un et, truc... Et on touche la, la corde sensible avec ça, et en même temps, la Belgique se fait égaliser. Ah ouais, Jamaïque, ça, effectivement. A jamais... Un partout, exactement. Mais non, mais c'est vrai que Urcufino, d'ailleurs, s'il nous écoute, je crois qu'il écoute les émissions, donc on te salue. Alors, quand on dit que ça nous a touché, c'est surtout le fait que de se dire qu'en fait... Euh, on fait toujours attention à faire un côté radio et bien expliquer les choses et en fait on s'est rendu compte que c'était vraiment de l'importance et qu'on doit continuer à faire ça parce que oui il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sans vraiment euh, justement suivre l'émission ou des personnes qui aussi sont non voyants en tout cas ou malvoyants donc effectivement faire attention voilà petit... j'ai bien aimé comme euh, l'autre fois j'ai été euh, voir un match euh, à la VIA, et euh, à côté de moi il y avait un monsieur qui je pense était non voyant et sa femme à côté, lui, lui décrivait le match, oh, trop, quand, trop bien tout le match, et il disait ah bah là euh, tel joueur il a la balle ah, ah c'est pas passé assez loin, euh, je trouvais ça super émouvant. Trop bien et sûrement qu'il était là pour l'ambiance, c'était d'être dans le stade quand même, peut-être que oui, c'est quel... en enfin, ouais. peut que quelqu'un qui est devenu, parce qu'après on sait jamais si c'est de naissance ou s'il est devenu, tu vois dans ce cas-là peut-être que il mm. y a un peu les souvenirs. Ah ouais non j'avoue que c'est beau, enfin c'est beau de... de voir que enfin. Que, la femme, enfin que sa femme, que sa compagne ou n'importe qui décrivent le match et tout, c'est vrai que c'est. Mm. C'est euh, mignon en tout cas. Voilà, j'ai adoré. J'ai bien aimé l'émission où l'IRL dévoilé. ouais, est dévoilée. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, l'émission, là... moi, j'étais un peu pris au dépourvu ce soir-là, mais c'est vrai que ça m'a bien fait rire avec le recul. Parce que sur le coup, moi, j'ai vraiment cru que Télès allait nous annoncer un. <laughs> je pense qu'en plus, je pense que tu pas là, toi, Darcel, ce jour-là. Si... Attends, si ou pas oui, Si, tu là. là, oui, tu étais là. Si, oui, c'est oui. Z qui était pas là, je pense. Z était pas là. Moi, je n'étais pas là, je pense. C'est vrai et euh, moi j'étais complètement pris au dépourvu hein. en fait dans, dans ma tête je pensais que parce qu'en en fait Teles m'avait dit qu'il avait trouvé un système pour, euh, en CHPP pour que les gens puissent voir l'équipe du d FC machin, enfin, et moi j'ai vraiment cru hein. j'ai plongé à fond dedans et, euh, et je savais pas trop comment réagir c'était un peu, mais après au final avec le recul l'IRL était génial et c'était trop bien mais, mais c'est vrai que c'était spécial quoi et en parlant de recul, j'aime bien faire des, des transitions à chaque fois, on recule au score pour l'équipe de France A avec 2-1 euh, hein, maintenant. Effectivement, le Liban... Ouais. Liban. Par contre, moi j'aime bien Galoine qui dit, elle arrivait à lui faire croire qu'Auxerre jouait bien. <laughs> Ça c'est vrai. <laughs> Et ils sont premiers au hein. attention. Ok, restez. ok, pardon, pardon. On reste... vient d'écrabouiller Bordeaux, donc euh, attention. Pas mal, pas mal. Ok. Non mais c'est vrai franchement euh, peut-être bientôt le retour en Ligue 1 pour l'AJA dit Identity ouais c'est vrai ça serait cool ça serait cool Oui oui Et, oui. et euh, allez, aller Angers vous savez qui Et euh, non mais après donc voilà il y a eu plein de moments marquants et c'est cool et euh, bon on espère en tout cas nous notre but de toute façon quand on fait les émissions quand on les prépare en avance et tout euh, avec les invités et tout, moi c'est à chaque fois moi ça me fait marrer d'imaginer genre euh, ouais si on arrive à avoir tel invité, si on arrive à faire telle chose. Euh, en fait le but c'est de vous faire plaisir ou de voilà de créer des moments marquants je pense aussi. Donc euh, le but c'est qu'on continue à faire ça quoi. Donc euh, je vous dis on est sur des dossiers pour la semaine prochaine mais je peux rien garantir. Mais si ça se fait on peut avoir des trucs sympas aussi. Mais bon on verra après euh, si on n'a pas ça on aura d'autres choses. Hein. Mais euh, le but c'est quand même aussi euh, je pense qu'on est devenu un truc où le but c'est de passer un bon moment tous ensemble et d'essayer de trouver toujours un peu de renouveler le truc. Ce qui est pas toujours facile. Par contre en vrai Dites-nous aussi dans le chat ce que vous en pensez. D'ailleurs, ça, c'est une bonne question dans le chat ou en commentaire hein, sur YouTube, parce que on veut pas non plus que ça soit un peu euh, routinier. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sais pas l'équipe vous dire aussi ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai pas envie qu enfin, que ça devienne trop routinier et que ça soit toujours la même chose. C'est pour ça que les invités, ça permet de varier. Euh, essayer de trouver peut-être, je des jeux, des trucs, des, des choses différentes. Trouver un sujet différent, ça permet un peu de renouveler le truc. Moi, j'ai pas envie d'entrer dans une routine où finalement, on se connecte, on suit les matchs. Euh, c'est la mi-temps, on reçoit les matchs et puis on arrête en fait. Enfin, j'aime bien ce côté-là, mais je voudrais pas faire que ça. Donc, vous, je sais pas comment est-ce que vous le ressentez dans le chat. Est-ce que vous avez l'impression quand vous vous connectez que vous nous écoutez, que ça change, que c'est rafraîchissant à chaque fois, ou alors ça tourne un peu en rond mais ça vous va Enfin, dites-nous un peu comment vous le sentez et l'équipe aussi. En fait, je vais vous demander vous comment est-ce que vous le sentez aussi pour l'émission. Comment ça se passe de votre côté Ça va. Ça... <laughs> okay, parfait. Tant qu'il y a du monde qui, qui, est, qui est avec nous et qui, et qui est content d'être avec nous, ça, ça me bat. Ouais, mais par... Non, mais par contre, c'est vrai qu'on parle des événements, des machins, mais en fait, en vrai, le vrai truc qui fait que l'émission est chouette, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont là. En fait, vous, derrière l'écran, vous ne vous rendez pas compte, mais l'exemple qu'on a eu typiquement, c'est vendredi dernier, euh, vendredi dernier, qu'est-ce que je raconte, pardon, euh... mardi dernier, enfin mardi, ce mardi, avec vaala et, euh, et Spy Ben, on a fait le 12e homme en enregistré, c'est-à-dire on a mis ça sur YouTube merc... euh, mercredi soir. On s'est rendu compte, on, donc on a fait un truc spécial YouTube, donc il n'y avait pas de, y avait pas de, de, de chat. Bah, C'était pas la même chose, en fait. Même on s'est dit, quand on, a qui, quand on a arrêté le truc, on s'est dit, bah voilà, c'est marrant de faire ça une fois pour essayer parce qu'on n'était pas dispo. Mais en fait, le chat nous a manqué énormément, quoi, en fait. En fait, c'est les gens dans le chat, c'est ça, tout le, tout le piment, en fait, effectivement. Donc, euh... Non, tu as raison, Darcel, mmh. quand tu dis, ouais, il, tant qu'il y a les gens, et c'est vrai, s'il n'y avait pas les gens, ça serait pas la même chose, clairement. Mmh. Ouais. Et euh... après, euh, je suis d'accord avec ça, c'est la communauté. D'ailleurs, si dans le chat, il y en a qui veulent être invités, faut pas avoir peur, franchement. Faut... Il y en a qui... Je sais il y en a qui sont timides, il y en a qui ont le trac, qui se disent ah, « je, vais... je vais pas réussir à parler voilà, », mais faut pas hésiter. Faut... Euh, faut pas hésiter à venir en tant qu'invité, même quitte à, faire une... à venir pendant une petite, période, une petite courte période, si c'est en mode radio libre. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter à venir en tant qu'invité. Et la jamais elle va... un but. but. Ah jamais, jouette. chouette. Ah, cool. Ouais. Euh, cool, non, pas cool. Ouais. Attends, attends, euh, la cool Jamaïque. Pour la... Moins cool pour la Belgique, <laughs> oui. Cool ouais. cool ah non, mais ça, quoi, on l'avait dit ce but, hein, non, Z, je pense. Attends, c'est l'égalisation. Ah, okay, ouais. ok, ça. Non, ah, pas t'inquiète. Pardon. C'est difficile. Aujourd'hui, non, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, t'es décalé de 5 minutes sur les buts, mais c'est pas grave, ça arrive, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce petit décalage. Parce qu'avec Darcel, on l'avait dit, ce but, je pense. Bah oui. Non Oui, je le dis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Euh, ouais. Alors, cette kill, il est où acheter de Alors voilà, on l'a dit mais c'est vrai enfin euh, en gros acheter de a vraiment eu un imprévu de dernière minute et on sait que l'IRL c'est important et c'est des choses qui peuvent arriver. Donc malheureusement, il est pas là. Il s'excuse mais mille fois vous imaginez pas enfin voilà, c'est mais voilà, c'est comme ça enfin bon bref euh... mais c'est pas annulé, c'est reporté. Ça sera une autre fois. Mais euh, voilà, donc il est pas là ce soir. C'est pour ça que là bon, on improvise un peu, là on discute un peu. Je pense que on attend la fin de la fin de la première mi-temps, on fera un petit jeu et à mon avis, on peut-être qu'on se quittera après, on verra mais mais on se fera un petit jeu quand même pour terminer. On a quand même les 10 crédits à offrir à cette kill. Hein. Oui. oui, dans les moments marquants, il y a aussi cette kill qui gagne tous les quiz. Hein. Ça ne vous a pas marqué ouais. ça dans le chat, non, par hasard C'est clair. Attends, sans on peut demander... Cette kill est souvent là. Donc il est là depuis le début. On pourrait lui demander... Là, on est en train de demander un peu aux gens les, les moments marquants qu'il y a eu. Parce que comme c'est la, la pré centième émission, on se dit, bah, c'est quel moment était marquant pour vous Donc cette euh, kill, si toi tu as un moment marquant, n'hésite pas à nous le dire aussi pour... Euh, pour simplement... Euh, euh, nous dire quoi, comme ça on sait un petit peu. Donc voilà, bah, écoutez, euh... on est quand même bien. Un truc, impor oui. un, un truc important aussi dans l'émission, c'est euh, l'ADN de l'émission, c'est quand même l'actu. Et on voit quand même que les émissions, quand il y, y a des grosses actus, euh, ça, ça plaît aux gens, euh, ça intéresse les gens qu'on leur explique euh, les contenus, et ça, faut qu'on le garde. Quoi. Alors, faut, pas, faut pas qu'on se disperse, faut, faut vraiment mettre quand même le centre de l'émission. Sur les invités et sur l'actu. Parce que c'est vrai que l'actu, c'est. Parfois, on passe un peu vite en disant on fait les actus, on va vite euh, passer à la rub... aux rubriques suivante Mais l'actu, c'est un truc important. Quoi. Et ça intéresse les gens. Ouais, t'as raison, Alpa. En plus, on s'appelle HT Actu, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu l'ADN de base, on va dire. C'est vrai que, que c'est voilà. la base. Non, mais t'as raison, t'as raison. Faut, faut, faut faut, faut, c'est bien de se renouveler, mais c'est bien de garder l'ADN aussi. L'ADN, pour moi, c'est vraiment l'actu. Clairement, clairement. Et par contre, ouais. j'attends la transition de Darcel. Ah non, il n'y a pas. Je pensais que oh, le lutte il, il, a... il y a un but ah, ah si Dans je les actualités. Il souris dessus et du coup il <laughs> y avait l'icône. Euh... La transition, attention. Sur ah, tu me tu prends en dépourvu là. Bah, genre l'actualité, c'est <laughs> le Liban qui, euh, qui égalise, quoi, par exemple. Tu vois. Est un peu... enfin, voilà. Ouais, bon, c'est facile. Classique. Hein. Exactement. <laughs> Donc ouais, malheureusement, c'est euh, fou. Y a... À chaque fois, les nations qu'on soutient, elles marquent et puis elles se font égaliser. Mais attends, non Transition non, mais... 3 buts à 2 pour la France. Ça Attends, a, mais c'est quoi ce match Il y, y a Boulanger qui s'est mis au fourneau et qui <laughs> a sorti un troisième but. Attends, mais c'est beau, c'est beau. On avait dit que ouais, c'était le match un peu en 50-50, euh, clairement. Quoi. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Pour l'instant, c'est ah, du bon, côté ouais. français. Donc, tant mieux, il faut que ça continue comme ça. Euh, cette kill qui dit, si vous voulez, je me connecte pour papoter avec vous. Euh, pourquoi pas Mais de toute façon, à mon avis, là, on va passer au quiz. Donc, cette kill, si tu veux participer au quiz, par contre... Euh... Je te déconseille de te connecter pour pouvoir participer justement. Je pense que les gens dans le chat veulent te battre au quiz en hein, toute façon. <laughs> C'était un peu l'objectif. Et... Et, et Boulanger qui est un attaquant de Alpha. Mais non, c'est vrai. Ah. <laughs> et oui. Ah oui, de Ravanusa FC. Et oui. Ah, incroyable. Un, un attaquant du Champions Project. Et voilà, c'est beau. Bien joué, Alpha. Bien joué. Bah écoute, cet attaquant qui marque un but important pour l'instant, en tout cas, enfin, on se rend pas compte. Mais là, chaque but est important. Hein. C'est vraiment dans les trois derniers matchs, donc euh, ultra important. Ok, bah c'est la mi-temps sur les matchs. Je vous propose un petit quiz. Et puis après, on se quittera, à mon avis là. Mais euh, voilà, ne vous en faites pas. La semaine prochaine, on fera une grande émission. Ce sera la centième. On essaiera quand même de trouver des choses, les invités. On verra. Mais euh, le but, en tout cas, ça sera de faire une grande émission. Là, ce soir, je pense qu'on est tous d'accord. On se fait voilà une petite émission tranquillement. Euh... Ça vous va aussi l'équipe hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez, on peut rester plus longtemps, ça dépend de vous aussi, euh, j'ai pas envie d'imposer non plus. <laughs> non. Et euh, Salut Grand Vince aussi qui nous rejoint, et on va faire donc le quiz à gagner 10 crédits, et euh, le quiz ça sera un peu du classique ce soir, ça sera bien évidemment euh, le petit bac. Alors attendez, je vais juste prendre euh, tout ce qu'il faut, si vous me permettez, et je vais demander à Z Darcel, si vous avez des idées de questions, n'hésitez pas non plus, hein. c'est toujours avec les lettres etc, vous connaissez en hein, toute façon. Oui. Donc euh, ça peut être marrant de... Parfait, parce que justement c'est plus marrant de varier, tu vois, de de, de... de chercher. Si vous voulez juste... Attendez, je vais juste faire ça bien. Je vais mettre le truc avec les lettres. Euh, voilà, donc là on va passer. Sur cet écran, donc voilà, petit bac. Euh... Donc en gros il y a 10 crédits à gagner. Euh, Z, si je dis pas de bêtises, il y a des crédits qui ont déjà été mis dans la future cagnotte, je pense. Que cette on a liste. déjà dit si je dis pas de bêtises. non plus. Je crois aussi, hein. Dans ses, dans, ses, dans ses comptes, avec des feuilles partout, ouais, des, non, des, je... des calculs mathématiques de fou. Euh, pour... non, 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 c'était juste pour vérifier. <laughs> mais oui, c'est cette kill qui avait gagné la fois dernière et qui a mis euh, ses 10 crédits dans la cagnotte. Donc il y en a 10, du coup. Exactement. Salut, Grand Vince, chanceux. Qu'est-ce qu'il a fait, Grand Vince Bonsoir, tout le monde. Pourquoi Grand Vince, c'est chanceux oui, 10 normalement Franck Hérisson, c'est jamais donc attendez donc voilà on va euh... on va chercher donc, on va envoyer des questions et il faut répondre par euh, normalement par une réponse qui commence par la lettre que vous verrez affichée là c'est pas encore la lettre Y, hein. on va mettre ça en place et euh... je vais faire une première question et après Darcel, t'en as aussi donc on va on va faire ping-pong on va dire je lance juste la première euh, si tu veux bien ce que la lettre Z pas mal ça c'est une belle lettre un hein, Z en pense quoi? Très belle lettre. <laughs> Très belle lettre. Très belle lettre. Le pseudo d'un membre de l'équipe, c'est pas ça, non? Euh, Franchement, alors je tiens toujours à préciser, c'est vrai que ça c'est quand même important de préciser, parce que c'est bien que tu dises ça. En fait, moi je choisis toujours la question avant de faire la lettre. Ça veut dire que, imaginons si la question c'est citer euh, si un manager à trick, je vais pas la changer en me disant ah non, c'est trop facile, c'est Z machin. Non, en fait, moi la question elle est déjà copiée-collée. Donc ça veut dire, là je vois tout le monde qui met Z dans le chat, ça peut être Z. Je vais attendre un petit peu parce que je crois que tu peux pas mettre deux fois la même chose. Donc les gens, s'ils mettent Z, ils pourront pas mettre une deuxième fois Z, donc je vais attendre un petit peu. Attention, bien évidemment, si je dis ça, c'est que c'est pas ça la question. Citer une capitale d'un pays, voilà. <laughs> Citer une capitale d'un pays, tout simplement, euh... il doit y avoir... Ah oui, Zagreb, pour euh... la Croatie, c'est bien Zagreb, attendez. Ouais, c'est Zagreb. Ouais, 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 ouais ils me semblent ouais. bien. Je vérifie parce que, c'est tu sais, parfois, entre les capitales économiques, machin, non, mais c'est bien Zagreb, ouais. effectivement. Donc, un point pour Casselec, euh, chef lindois. Zanzibar. Alors, moi j'avais Zanzibar en tête et euh, je ne savais pas du tout si c'était un pays, une ville, une capitale. Euh, Zanzibar. Non, c'était un archipel. Ah oui, la capitale de Zanzibar, c'est Zanzibar. Ok, donc ça marchait aussi Zanzibar. Bien vu, lapin. Le... Donc, c'est Le point va pour Casselec. Effectivement, on va mettre le classement à jour. Euh, hop, classement. Je vais le mettre aussi hein, de mon côté, mais euh, Z, n'hésite pas à double-checker, comme ça on est sûr. Ouais, je, de... je le mets aussi moi directement dans notre. Kasselek, euh, notre... un point. Euh, pour Darcel, je te tire la prochaine lettre, attention. Ça sera la lettre oui. D, comme Darcel. <laughs> en fait, il ne faut pas que je ça. Oh, attendez vite la Et question. Bah vous allez me donner un invité de l'émission, 12e homme ou. HT tu live commençant par la lettre d mais après et voilà, Darcelle, tu bah as ouais. donné la réponse bravo dapidu et attends dapidu je crois pas que ça marchait parce que j'ai jamais été invité en fait attends non mais cette kill cette kill t'as donné la bonne réponse mais toi, mais... parce que j'ai été invité toi tu été invité Darcelle, bien sûr homme. non non mais bien sûr en fait c'est ouais. là où c'est c'est là, là le piège c'est qu'en fait d'Arcel, ça fonctionne mais pas dapidu en gros vu que toi tu été invité du 12e homme mais ouais, moi j'ai pas été invité toi. mais ouais bien vu euh, cette kill Bon, moi j'arrête oui. de dire des trucs à chaque fois avec les lettres parce qu'à chaque fois, de toute façon, c'est. 7 euh, J'allais marquer Darcel, oui, non, c'est 7 kills, pardon. <laughs> 7 kills, 1. C'est qui qui a dit Darcel Ok, bien vu en tout cas. Euh, prochaine question, si vous en avez Alpha, Z, n'hésitez pas à me faire signe hein, si vous avez aussi des questions. Euh, si ça vous va, on, on fait 10 questions, comme ça, tu pour changer un peu. Normalement, non, on en fait toujours 7, mais là, on va en faire 10 parce que comme ça, voilà, comme c'est un peu. On termine plus tôt, on fait un peu plus plaisir, on fait 10 questions. Voilà, j'ai oublié de mettre les conditions. Euh, prochaine lettre ce sera la lettre H. Bonne réponse d'Alpa. Franck d'Hérisson. On n'a pas encore eu Franck Hérisson dans le 12e homme. Avec plaisir, on pourrait l'avoir. <laughs> J'attends un petit peu, attention. Avec la lettre H, donner un terme technique à trick C'est la classique, celle-là. Celle-là, je me suis pas trop... Ah putain... Non, mais en fait, ça, c'est toujours la question tendue. Parce que... Je pense que honorable ça marche pas. Oui, honorable ça marche. Grand Vince met hat tu vois. Parce que oui, dans le manuel, il y a sûrement le mot hat tu vois. Un c'est peut-être le triplé, tu vois, non C'est un hat-trick Ouais, mais c'est pas un terme technique, c'est un nom. Alors que honorable, c'est un terme technique d'Atrick. Oui, mais hat-trick, c'est pas que un nom, c'est aussi. Ah oui, ah tu veux dire, c'est vraiment un terme technique dans le sens terme. Parce qu'un hat-trick, c'est un terme technique pour dire trois buts dans la même mi-temps à la fois, à la d'affilée, tu vois. Ouais mais c'est pas utilisé dans le manuel d'Atric, c'est ça que je dis. Ah. Attends, on va regarder quand même pour être sûr, ah, non Enfin, tu mets le doute, tu vois parce que. On va, on va vérifier. Attendez, on vérifie. T'as peut-être raison. Hein, je dis ça, c'est juste parce que j'aime bien, tu vois, être sûr parce que après les gens, on soit des réclamations. Cheese, hein. que... <laughs> je sais pas comment ça se prononce. Son pseudo. C'est ça en fait. Est avant. Donc. Euh... Ah. Ah, pardon. moi je vois. Alors euh, moi sur le chat neutre. Attends, tu es sûr parce que. Attendez, 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 on va regarder ouais. Moi sur le chat neutre, je vois Attrick en premier. Hein, sur l'écran et tout. Ah oui, oui, en effet, pardon. C'est pour ça en fait qu'il y a le doute, vue. tu vois. Ouais, ouais, c'est Attrick qui est quand même en premier. On va regarder, attendez. Euh... Attends, parce que c'est possible. Pour l'instant, j'ai que Attrick, tu vois, le, le jeu Attrick. Et donc dans ce cas, ça marche pas, tu vois. Ouais. Attendez, on vérifie pour être sûr. At trick master, trick master, trick master, c'est manqué. En vrai, je crois que dans le manuel, il ne parle pas trick pour dire trois buts d'affilée. Je suis, attendez, je. C'est ce que je te dis. Putain, ouais à fond. <laughs> non mais comment c'est sûr dans le sens où tu vois, enfin comment ça peut être sûr dans le sens où justement le but enfin tu vois, dans c'est marrant de faire des -trick, mais si tu dis ok tant mieux, tu vois, mais il faut quand même mieux vérifier, hein, on est d'accord, mais euh, ok. Bah, effectivement, donc il n'y a pas donc c'est honorable. Euh, désolé, euh, Grand Vince, mais c'est bien honorable, donc c'est euh, Seb Guy qui marque le point. Sauf si tu nous contredis, hein. Euh. Mais, bon, mais honnêtement, non, quoi. Ouais, t'as raison. Pour... Comment c'était sûr, Darcel, tu vois, ce que faire un hat-trick, tu vois, ils auraient pu mettre dans le manuel, tu le principe de faire un hat-trick, trois buts, machin, tu vois, c'était. Mais bon. Bah, en fait, il n'y a pas besoin de l'expliquer, ça. Ça, ça c'est pas une. une... Ouais, c'est Un vrai. terme qui est vraiment technique, ça apporte rien à la tactique. Qui marque un hat-trick, un quadruplé, etc. Ça, ça change rien. Ah c'est vrai, c'est vrai. Non mais t'as raison. Bah désolé un grand vite, mais en tout cas on a vérifié. Hein. Tu peux vérifier aussi dans le manuel. Il n'y a pas effectivement, il n'y a pas hat-trick à part pour dire le nom du jeu quoi. Donc effectivement. Dundee euh... qui dit hérisson n'y est pas bizarre. Ah oui parce que oui il y a eu hérisson. Pardon c'est vrai Dundee. <laughs> désolé Dundee. On va regarder hérisson. Attention. Voilà zéro recherche sur hérisson donc voilà c'est confirmé. <laughs> Après on aurait, pu, on aurait dû demander à Alpa, c'est lui qui connaît le manuel sur le bout des doigts en fait, on est bête. <laughs> mais lui c'est le manuel non officiel. Oui c'est vrai, en fait oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, prochaine question. N'hésitez pas à dire un hein, Darcel Z si vous en avez une, n'hésitez pas. Ok, alors j'y vais, <laughs> je me lance avec la lettre K. Alors là je, la, je suis en train de la créer mais... Euh... Ah j'en ai une. J'en ai une. Ah, tu peux la faire après alors dans ça comme ça je fais juste la mienne avec K si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Attention. Attends, je vais juste préciser parce que les gens dans le chat si on précise pas, ils peuvent être Attendez, attendez, attendez avant de marquer n'importe quoi. <laughs> Un mot que Z a dit dans sa rubrique aujourd'hui. <laughs> Moi. <rire> Un mot que Z a dit dans sa rubrique aujourd'hui. Alors, il n'y en a peut-être pas avec K, mais à mon avis, il doit y en avoir. Non, Z, est-ce que, Est que... Pep Guy ou Sir qui points en fait, c'est Seb Guy, mais c'est sirgis Sir dans le chat ici, mais c'est Seb Guy Moi, je... dans le jeu, quoi. Moi, je prends le chat. Ok. Cadeau, koala, Katox. Euh... Est-ce que Z, est-ce que toi, t'as une idée d'un mot que t'as dit ou pas Parce que on peut relancer une lettre, à mon avis, s'il n'y a pas de cas. Mais euh... je suis en train de réfléchir. Il y avait bougie, ça j'ai retenu. <laughs> <Il y> avait... <laughs> Alors là, ça doit contenir ou ça doit commencer par... Ça doit commencer. Massage cardiaque avec un K, dommage. Kilo Attends, kilo Non, t'as pas dit kilo. Alors, <laughs> non, il n'y a pas Alors, écoute, Kiki Ah non, c'est pas f... Kiki, c'est pas Kiki, mais... Euh... Je fais une recherche dans mes notes, après, bon, c'est vrai que je brode beaucoup, j'ai des notes, mais je brode beaucoup, mais dans mon fichier de notes, il y a 1, 2, 3, 4, 5 fois K sur 5 pages, et aucun mot qui commence par K, donc... Euh... donc attendez, on relance, on relance la lettre, donc, mais... effectivement... Euh... On garde la question et on relance la lettre directement, donc attention, je vais la marquer dans le chat aussi, une nouvelle lettre, parce que sinon, les gens, peut-être, qui ont un décalage... Euh... C'est euh, avec la lettre R. Oh putain. j'essaie mar... de marquer au plus vite dans le chat pour que ceux qui ont un décalage éventuel ne l'aient pas trop. Qu'est-ce qu'ils foutent les invités Ah ça c'est par cas. Ouais. Rouler. Ah rouler. il Y a moyen hein, Z que tu dis rouler. Je te euh... mets dans la sauce avec tous les mots <laughs> maintenant. C'est horrible en fait. Robot réponse. Ah réponse peut-être avec la réponse au téléphone. Voilà, euh, oui, je dirais réponse. Allez, ça, je pense que c'est bon. Mais rouler, non, il n'y a pas eu rouler. Hein. Je pense pas. Ok. Et eh bien, Katox, tu as le point. <laughs> bon, oui, c'est bon, Cal. Zed a quand même dit Je pense pas. Mais normalement, Zed, t'as le fichier devant les yeux. Donc c'est enfin, quasiment sûr. Et je pense que tu... là, t'es en train de vérifier. Je te connais, tu es un professionnel. Et tu vois qu'il n'y a pas ça. Donc euh, on est bien. Donc attends, juste pour être sûr. Donc il n'y avait pas roulé. Rouage, je pense pas. Rouge, il n'y avait pas de raison. Rouge, non. Euh, rare, à mon avis, non. Robot, il n'y a pas eu de robot. Donc réponse, ok. J'ai la lettre après 5 réponses. Mon tout premier point. Bien joué, Katox. Bien joué. Ça fait plaisir, alors. <laughs> euh... Darcel, t'avais une question, hein, c'est ça. Oui. Attention, je mets la lettre. Attends, juste... Donc, je vais tirer la lettre. Ouais, juste 5 secondes, peut-être, parce que je vois que euh, Galwayan dit j'ai la lettre après 5 réponses. Donc, Galwayan, la lettre, c'est G comme Galwayan. Putain, merde, j'aurais pas dû dire ça parce que si maintenant, c'est une question. Ah <laughs> oh, non, j'avais dit que j'allais tirer Ça va ce ne sera pas la réponse malheureusement parce qu'il faut me citer une équipe qui commence par la lettre G et qui a gagné le championnat en France. Égaloyenne, non. Malheureusement, je oh. crois pas qu'il ait gagné le championnat. Est-ce qu'il y en a une ou pas Alors on va regarder. Le championnat de France, c'est ça qui a gagné le championnat de France. Hein ouais, de France. Il n'y en a y y pas, on... Bien sûr. On, va... on va élargir, mais en tout cas, euh, je demande le championnat de France Alors, pour l'instant. Alors, championnat, je vais regarder aussi, hein, bien évidemment bon c'est quoi ça FC Mistral gagnant, FC Mistral gagnant, FC Mistral gagnant. <laughs> c'est redondant ça. Écoute, il y en a une déjà, c'est sûr qu'il y en a une. Il y en a une. Ah bah je vois que... Mais Kasselec, hein, il connaît bien le championnat, faut croire. C'était effectivement... Vous savez, avant que Casselec remporte tout, il y a eu Hotshot, Et avant, il y a eu Grain de Sel, effectivement. Qui malheureusement, c'était Chache qui malheureusement, voilà, n'est plus euh, dans le jeu. Mais euh, Grain de Sel, effectivement, Casselec, euh, le point va pour Casselec. Tu valides, hein, y a deux points du coup. Oui, C'est bon. Bien vu. Donc deux points pour Kassalek. Il reste deux, trois, quatre, il reste cinq questions. Attention, je vais enchaîner un peu plus vite. Euh... Ah mince, je vais mettre une question, mais tu l'as déjà posée. Ah je vais en faire une que j'aime bien. Tu vois, on se fait plaisir, on fait les questions qu'on aime bien. Ça sera avec la lettre Z, décidément. Euh, Guillaume Foot On a Une dernière ah. s'il faut. Citer un pays qui n'a pas de E dans son nom. Zambie, dommage, chef l'Indois. Parce que dans Zambie, il faut croire qu'il y a un E. Zanzibar. Alors, Zanzibar, c'est alors c'est bizarre. Zanzibar, c'est pas vraiment un pays, c'est un archipel, mais qui a une capitale. Attendez, oh, on va juste. Un a... pays. De quoi, t'as dit C'est un pays Je sais pas si c'est un anglais. pays. Je sais pas. C'est un archipel tanzanien, situé au large des côtes de l'Afrique de l'Est. Et euh, c'est pas considéré vraiment comme un pays. Il y a une capitale, mais c'est un... une capitale d'un archipel, en fait. Donc, euh, en gros, non. Euh, Zanzibar, Zangola, Liban, Zambie... Ah, Zambia Ah oui, attends, la Zambie Zambia Ah oui, non, mais c'est... Ah, oui. Même... ah oui, non, mais c'est la Zambie en français, en fait, avec un E à la fin. <laughs> Il n'y en a pas. Euh... C'est vrai. Pays qui commence par Z, en fait. Ouais, en fait, oui, à mon avis... Euh... Si, Kato... si Mev dit ça, c'est que... En fait, il y a juste le Zimbabwe et la Zambie, donc effectivement, la, la question ne peut pas marcher. Donc voilà, pas de point attribué sur cette question, ça peut arriver. <laughs> c'est cruel. Euh, ouais, non, effectivement, on peut pas accepter Zanzibar, parce que ce n'est pas un pays, donc euh, désolé, c'est hein, cette kill, mais c'est bien, ça fera polémique. En plus, les gens vont encore dire qu'on t'avantage, alors que c'est vrai, mais là, on s'est dit, c'est trop voyant, donc il faut qu'on arrête de trop t'avantager. Hein. <laughs> euh, prochaine lettre hein, pour Darcel, hein. donc tu une question, t'as as dit c'est yes. vrai que la lettre W... Putain, on a vraiment les pires lettres à chaque fois, quoi. <laughs> euh... Ah... Euh, ça, je sais pas si ça a marché, mais on va essayer. Dites-moi, une ville de Bourgogne Ouh là. Qui commence par la lettre W. Oh non. <laughs> qui connaît la Bourgogne, tu vois <laughs> C'est vrai. <laughs> que les gens bien, que les gens bien. Il ouais, y en a pas qui commencent par W ici Bon, c'est possible. Non, il y en a plein des villes en Bourgogne. Pas je pas je Justement, je, je, je vais vérifier. Alors, on propose Wapidu, ça je pense pas. Franck Wérisson, Willem. C'est vrai qu'il y, qu y a Wapi, mais, mais c'est en Moselle, je crois. Ça, c'est en Moselle, ouais, Wapi. En Meurthe et Moselle, ouais. Ouais, je pense plutôt. Aussi. Washington. Ce <laughs> serait drôle, Washington. J'ai Never, Auxerre, Besse, Mur sur Auxois, ah, Saint-Sauveur le Puisant, Chalon, Sens. J'ai rien à voir, W. Hein. Attends, Wavrin est une commune française aïe, située dans aïe, aïe. Le... en nord dans le nord OK le nord euh... Willem. Eh et ben alors citez-moi c'était moi... moi une ville du Canada qui commence par la lettre W. Ah non. Winnipeg. Alpa qui euh... Winnipeg effectivement est parce que il y va <laughs> et, il a... et oui, la... j'y vais dans deux semaines, donc enfin dans dix jours, donc euh, voilà, euh, je connais. <laughs> Par contre, en vrai, <laughs> je vais connaître. En vrai, est-ce qu'on l'accepte quand même pour Caselak vu qu'Alpa pas fait partie de l'équipe et qu'il a entendu la question légèrement en avance bon j'imagine qu'on la attribue à Caselak qui a répondu quasiment dans la lignée, non ouais. Dans ce cas-là, enfin, je suppose. C'est hein. la règle. là hein. Désolé, elle passe pas contre toi. Hein. T'avais raison, hein. mais euh, c'est juste que je vous dis, Caselak euh, mm. a répondu une demi seconde après et lui, il a certainement trois secondes de décalage, donc, euh... donc pour que c'est bien. Avec deux N, s'il vous plaît. Winnipeg. Ah oui, ok, effectivement. Ça, c'est cette qui, hein. là, il fait n'importe quoi. Attention, on arrive dans les dernières, avant-dernières questions, si je dis pas de bêtises. Avec la lettre L. Et alors, attention. C'est bien, Darcel, moi, je suis un jaloux. Citer une ville de Belgique. <laughs> Comme ça, tu les a tous fait. <laughs> bon, on a fait. Bon, on dit pas que la France et la Bourgogne, attention, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on a fait la Bourgogne, et ouais, le ouais, ouais. <laughs> Canada. Là, il y a qui est en train de rouler sur tout. Quoi. Euh, liège, effectivement, liège. pour les intimes, et Liège, ouais. Ouais, j'avoue qu'il y avait. J'ai même pas pensé, en plus j'ai posé la question, j'avais même pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a Liège dans les villes très connues, bien vu. Euh... Bah écoute. J'aurais dit plutôt Louvain. Mais bon. Il y a Louvain aussi, effectivement. Mais il reste une dernière le... question pour la forme, je pense, mais je crois qu'on est d'accord pour dire que Kasselec est plutôt bien, en tout cas plutôt bien parti. Est-ce que quelqu'un veut faire la dernière question ou, euh, ou je la fais Je la fais... Ah, tu... ah, Attends, Darcet, tu voulais le faire ou non Je sais plus. Non, non, vas-y, vas-y. Ok, dernière question, donc c'est pour la forme. Attendez. Euh, qui commence par la lettre... Attention. Qui commence par la lettre F vous êtes prêt oh, là, c'est vraiment genre pour, euh, juste pour l'honneur. Si vous avez un honneur, vous devez répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes prêts Citez-moi un mot qui n'existe pas. <laughs> On va voir. Fou, ça existe. Franck Hérisson, <laughs> ça existe. <laughs> ah, F, alors, FSQGDG. G. Ça a l'air pas mal. On va quand même vérifier. <laughs> non, ça n'existe pas, venir. bien évidemment. Oui, ouais, c'est je... ça. Non, mais en fait, c'est ça, tu vois. Ça veut dire « je t'aime, maman <laughs> ». Euh, qu'est-ce qu'il y a les réponses 10 secondes avant tout le monde Moi j'ai les 10 secondes après tout le monde. C'est pour ça qu'en fait on fait toujours la lettre. Alors je tiens à préciser quand même, c'est important parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de latence chez les gens parfois. Mais c'est pour ça qu'on fait la lettre, enfin, on la fait bien en avance et après on tape dans le chat la question parce qu'on sait que sinon il y a des décalages. Mais euh, bonne réponse de euh, Petit Bac qui rentre dans les scores juste pour l'honneur. Et donc c'est Casselac euh, qui remporte le, le quiz. Donc Casselac, tu voilà, tu nous dis ce que tu fais, euh, si tu prends les crédits, si tu les offres ou si tu mets dans la cagnotte de l'été, je pense on avait dit. Et donc voilà, ben bah, écoutez, c'est qui qui a eu le dernier point euh, C'est euh, Petit Bac qui a eu le petit point, le petit point, qui a eu le point. Pardon. Oui, <laughs> petit Bac, qui a, le le petit Bac point. qui a eu le petit point. En fait c'est Petit Bac dans le jeu Petit Bac, tu vois oui, bon, bref. <laughs> Petit Bac qui a eu le petit point. Non c'est beau ça. <laughs> Et Grand Vince qui va rater son penalty, spoiler, on connaît l'image. Désolé, Grand Vince. Bravo, Casalec. Et euh, donc voilà, je pense que pour ce soir, bah, on, on va se quitter là-dessus, mais c'était quand même un plaisir de, de faire l'émission pour vous. On voit en plus, il y a des gens qui viennent nous. On est quand même, vous êtes quand même. Euh... Enfin, vous êtes. On est 25. Enfin, je vois qu'on est 25 actuellement, donc euh, c'est plaisir en tout cas de voir que vous êtes toujours présents. On espère que ça vous plaît toujours et soyez là pour la semaine prochaine. C'est la centième. Et donc là, la semaine prochaine, on fait deux heures quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. On a un invité, pas d'invité. Je, promets, je vous promets qu'en tout cas, euh, on sera là 2h. Et euh, on fera peut-être un grand jeu. On verra si on a un invité. On verra si on a des choses spéciales. On, on, essaie, on essaie de vous préparer des choses spéciales. Mais on attend des confirmations et des choses quand même euh, pour ça. Euh, je vais bien prendre les 10 crédits. Ça coupe. <laughs> Bonne soirée. Donc les, les crédits pour Cassélec, ça c'est noté. Donc, euh, très bien. Et euh, par contre, on vous encourage quand même à suivre les matchs. Moi, je vais quand même suivre les matchs. Euh euh, je vais quand même suivre les matchs de mon côté, je sais pas Darcel, Alpha, Z, vous aussi j'imagine, c'est quand même des matchs ultra intéressants. Mmh. Ouais. Donc on va suivre ça en tout cas de notre côté. Euh, ah j'ai un concert vendredi prochain, je pourrais pas venir. Bon il y aura la rediffusion, mais peut-être qu'il y aura des surprises, on ne sait pas. On verra. Mmh. Et euh, bah écoutez, en tout cas c'était quand même cool. Enfin déso pas désolé, mais c'est des choses qui arrivent. Donc on n'est même pas désolé parce que c'est voilà, des choses qui arrivent. Mais donc voilà, malheureusement pour l'inviter... Comme j'ai dit, ce n'est pas annulé, c'est reporté. Ça veut dire qu'on aura HT euh, de Chess qui viendra dans le futur. Ça peut être dans deux semaines, trois semaines, un mois, on verra. Mais il sera là. En tout cas, il sera bel et bien là. On a pris toutes vos questions. On lui posera euh, les questions que vous avez posées, en tout cas. Donc, il euh, n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et, euh, et soyez présents la semaine prochaine pour la centième. Pour la centième, on doit être 100. Ça serait bien. <laughs> non, ça me semble un peu compliqué. Ça va être chaud. Va être chaud hein. Ouais, c'est ça. Par contre, voilà, si, si l'émission vous plaît, je dis quand même ça au cas où, tu vois, mais c'est vrai qu'il n'y a, y a rien de mieux vraiment que le bouche à oreille, donc euh, n'hésitez pas à en parler. Si vous connaissez d'autres personnes qui aiment bien trick, n'hésitez pas à leur parler de l'émission, euh, leur envoyer le lien vers YouTube ou un truc comme ça, euh, n'hésitez pas en tout cas à en parler autour de vous, parce que au oh, plus on est de fous, au oh, plus on rit. Et là, on voit bien ce soir, on lance une émission, finalement on n'a pas d'invité, on est présent, on discute juste entre nous, on est quand même euh, une grosse vingtaine, donc c'est quand même un plaisir, quoi, en tout cas, donc euh, c'est cool en tout cas. Euh, T'es ambitieux, hashtag. Ouais, j'avoue que c'est un peu ambitieux. Salut Benek t'arrives pile pour la fin. <laughs> c'est vraiment c'est horrible dit comme ça. Mais euh, voilà, Alpa, Darcel Z, on se retrouve la semaine prochaine pour la centième, motivé, en pleine forme et avec plein de... Une belle émission, quoi, en tout cas. Ouais. 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 Allez, si en vous avez un mot de la fin... Oh, vas-y, pardon, Darcel. Vas-y, vas-y. Si vous voulez conclure, n'hésitez pas. En pleine forme, surtout. Ouais, c'est pour que Pour les autres, pour que tout le monde soit motivé et qui nous porte. <laughs> <laughs> c'est ça, à fond, à fond. Mais euh, voilà, à la semaine prochaine, euh, Alpa aussi, à la semaine prochaine, en pleine forme. Euh, non, attends, toi, Alpa, tu seras peut-être pas là, je pense, la semaine prochaine, mais... Euh... Ouais, moi, je fais une pause d'un mois, là, je pars au Canada, donc... Euh, voilà, ça va être compliqué pour euh, moi pendant quelques temps, donc rendez-vous dans un mois. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine, tu fais ça en direct de chez Darcel. hein Tu te fais inviter par Darcel. Euh... <laughs> euh, ouais, ouais, ouais. <laughs> Comment en fais-tu <laughs> c'est ça oui. <laughs> pendant un mois tu vas loger chez Darcel ça va franchement et ça et euh... et Z aussi en pleine forme la semaine prochaine alors euh, je suis chez Darcel avec Alpa parfait bah, alors j'y vais aussi <laughs> moi Darcel euh, on va tout chez toi <laughs> ça marche émission en direct du Canada c'est une spéciale ça serait cool beau... n'empêche ça serait cool, pas ça, ça surprise euh, oui théoriquement enfin oui euh, sauf euh... Urgence, mais je serai là vendredi prochain Avec grand plaisir Si Lapin, parce que je vois Lapin qui dit on parle pas des équipes de France Je te jure qu'on en a parlé beaucoup en début d'émission Justement des compos etc C'est juste que là bon, on fait voilà, pas d'invité, pas trop de contenu Donc on fait une petite émission Mais c'est vrai qu'on peut reparler peut-être des résultats Effectivement, t'as raison, on va juste faire un petit tour avant de conclure Comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant Et en plus les choses comme tu dis se passent plutôt bien euh, Attendez je vais juste reprendre les matchs rapidement euh, donc on voit que l'équipe de France mène 1-0 chez les U21 face au Danemark et ça c'est excellent. Euh, l'équipe de France A mène 3-2 face au Liban, c'est excellent, ça reprend un peu de couleur pour l'équipe de France. Et du côté de la Belgique, bah c'est 1-0 euh, contre l'Italie malheureusement chez les U21. Bon l'Italie qui est l'ogre et la Jamaïque, euh, Belgique Jamaïque, Jamaïque, Belgique pardon chez les A c'est un partout. Mais on vous encourage à suivre en tout cas la fin des matchs et, euh, et nous on suivra en tout cas la troisième journée la dernière journée du T5, on va la suivre ensemble pour la centième, et on croise les doigts pour une médaille. Donc ce soir, le résultat est ultra important pour espérer des choses ultra positives, la semaine prochaine en tout cas. Ok, ok, mais bah écoutez, bonne soirée à tous, et euh, à la semaine prochaine, soyez ça, présents, ça. soyez présents, venez, ça va être sympa, je vous jure que ça va être sympa. <laughs> bonne soirée. Ciao. 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 ciao, ciao.